De retour pour cette deuxième partie de ce grand final de la saison 2 de l'agence. J'espère que vous avez pris voilà, petit café, petite boisson, que vous êtes mis très bien. Évidemment, petit point partenaire. Évidemment, les... Bah oui, voilà. Ah oui, voilà. Tu croques dans les mains, tu les finis pas. Mais non, mais c'est le tien. D'ailleurs, je précise, il y a, parce que alors, vous le savez, il y a des gens sur le Discord, il y a un bureau parallèle qui sont organisés sur les théories, etc. Et il y a une théorie sur le nombre de crocs dans les beignets. Non, mais... Je vous arrête tout de suite, je n'ai pas pensé à ça du tout. Hein. Genre vraiment, calmez-vous bien comme il faut. Et pourtant, analysez bien. Analysez. Tout est devant vous. Combien de temps ce beignet va rester dans la main? Avant qu'on reprenne, petit point partenaire. Merci encore à Oli qui sponsorise cet épisode avec Elgato. Ils ont sponsorisé toute la saison 2, donc merci énormément à eux. Elgato, d'ailleurs, les offres du Black Friday sont là, donc n'hésitez pas, c'est le moment. Le petit point d'exclamation Elgato est de rigueur. Oli, avec la nouvelle gamme, le Stay Hydrated, qui veut dire S'hydrater mieux. Non, rester hydraté. C'est pas hydraté. C'est de pire en pire. T'as un boulot. Un boulot. C'est quoi? La nouvelle gamme spéciale pour retrouver la forme après le sport, par exemple, voilà, grâce aux électrolytes et aux minéraux. Je pense pas dire électrolytes un jour sur ma chaîne, mais écoutez, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, point d'exclamation, Oli, il y a le code AGENCE5 et le code AGENCE pour avoir 10% de réduction. AGENCE5, c'est 5€ de remise sur votre première commande. Et partenaire exceptionnel, puisqu'épisode exceptionnel, Intel, qui nous sponsorise cet épisode et qu'on remercie infiniment pour l'exclamation Intel dans le chat. Période de promotion, évidemment, en ce moment 100% Intel avec les Intel Gamer Day. Donc n'hésitez pas, il y a plein de promotions sur les PC de bureau, composants gaming, PC portables, jusqu'au 31 novembre. Donc n'hésitez pas, c'est le moment. Régalez-vous pour l'exclamation Intel et cliquez sur le lien, c'est important. Allez faire cliquez, un petit tour. Cliquez, les copains. Attention, parce que j'avais une autre F. Cru que la j'avais une autre F et elle était très dangereuse. Elle était très dangereuse. Je ne connais pas. Bah, on va dire après. Allez, on verra ça plus tard. Je ne connais pas le cliquer. Ouais. Bande de sagouins. Bande de saltimbanques. Bande de saltimbanques. On est deux à ne pas l'avoir, mais on verra ça plus tard. Je ne connais pas Marcel. Merci en tout cas à eux. Merci à nos partenaires. Et donc, nous reprenons l'aventure. Oui. Puisque vous êtes encore à la passe Saint-Anne pour le moment. Vous êtes riche. Vous avez deux nouveaux objets que vous avez acquéris de manière. Bien. Que vous avez acquéri. Et non, mais toujours à la passe Satan, donc il y a encore quelques activités, quelques petits trucs qui se passent un peu autour de vous. Mais globalement, voilà, la vente aux enchères, le main event, c'est terminé. Même s'il y avait un main event à côté. Il y avait un autre main event qui était très bon. Attends, je viens de gagner 5 400 000 euros là. Ouais. En effet. Bienvenue dans le monde de l'opulence. Après, il faut les vendre, comme je vous dis, les pièces, il faut trouver. Oui, mais on trouve toujours, attends. Et d'ailleurs, votre nouvel agent, Julien Dibou, lui, est parti avec Monsieur Bonmarché et il n'a pas l'air de revenir pour le moment. Voilà, ils ont l'air de négocier potentiellement un nouveau contrat, peut-être une nouvelle carrière pour Julien Dibou. Voilà, qu'on salue évidemment encore. D'ailleurs, petite parenthèse, merci à Dibou pour cette petite intervention. Merci, frérot. Peut-être qu'on le reverra dans un épisode spécial avec le journaliste, le complotiste et tout, on verra bien, on travaille là-dessus. Et donc vous êtes là, les gens viennent aussi un peu saluer pour le combat, etc. Personne n'a remercié forcément pour la victoire de la lance d'Athéna, puisque vous avez été anonymisé. Mm-hmm. Bien sûr. Mais certaines personnes, eux, vous ont vu par contre pour le bouquin, et de très belles acquisitions, les gens viennent régulièrement vous voir, etc. Et il y a quelques activités, quelques petits trucs dans la place à temps, mais vous êtes libre. Faites notre sud maintenant. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. On est libre de faire ce qu'on veut. Eh ben, je ne serais pas contre regarder le livre et de suite me mettre à enquêter dessus, sachant que est-ce que j'ai reçu un mail de Bernard? Alors le mail de Bernard. On parle du livre. Ouais. Alors ça parle pas du livre. La question que tu as demandé, c'était plus sur la mythologie. Sur la mythologie, non, rien à voir avec le livre. Autre chose. En fait, il te dit que de manière assez régulière, plein de différentes civilisations, plein de différents peuples qui normalement ne devaient pas rentrer en contact à ces périodes-là. Ont tous à peu près les mêmes mythes, que ça soit, alors il t'en parle parce qu'il le sait, mais les dragons, ça t'intéresse pas, et un peu les tout ce qui est grande famine, grande catastrophe, maladie, les guerres, les peuples qui se voilà, et donc t'as un peu le mythe des quatre cavaliers de l'Apocalypse qui revient de manière un peu différente, il était décrit pour chaque civilisation de toutes les parties du globe, et ça revient avec des cycles assez réguliers, et il y a des moments où il y a des traces écrites de certains cavalier un peu personnifié, lui il ne croit pas du tout à tout ce qui est. Lui il ne croit pas au monde, il n'a pas de connaissance des monstres et de la magie. Mais il te dit qu'effectivement il y a des fois des moments où certains êtres ont été un peu personnifiés. Il y a des écrits où on parle de la mort personnifiée qui était sur Terre, de la guerre personnifiée qui était sur Terre sous forme soit d'une déesse ou d'un dieu. Et donc ça revient assez régulièrement. En fait il y a un peu des mythes globales sur tous les continents à toutes les époques.
à aucun moment, il aborde la question d'un lapin. Bah alors, dans les, entre guillemets, les images qu'il te montre, si tu regardes un peu dans tout ce qu'il t'a envoyé, toi tu cherches un lapin, donc lui, tu lui as pas dit spécialement un lapin, mais lui, il y a des moments, effectivement, dans les images qu'il t'a envoyé, il y a des lapins. Il y a un cycle, notamment plutôt sur la civilisation européenne, et un peu aussi gréco-romaine, où il y a parfois, effectivement, des lapins tantôt spartiates, ou tantôt, tu vois, il y a... Ça revient de temps en temps. C'est assez discret, parce que t'as envie de trouver cette info-là, que tu la vois, mais sinon... Quelqu'un qui n'est pas du tout averti, il passe et il s'en fout. Et juste une dernière question sur la finalité. Est-ce qu'on sait comment, à chaque fois, à chaque fin de cycle, les choses se sont terminées? Bah, il y a généralement deux routes. Hein. C'est soit une civilisation s'est arrêtée, soit une civilisation a réussi à repousser ou à survivre, que ce soit la peste, les guerres, les famines et tout. Voilà. Globalement, il y a différents récits. Tu vois, il parle des Spartiates qui ont réussi à repousser, visiblement... pas mal de guerres, pas mal de conquêtes de différents d'autres peuples. Tu vois, c'est il y a plein de méthodes un peu différentes. Quoi. Ok. Bien. Mais c'est un mail vraiment de chercheur, de professeur. C'est le truc. Il a vraiment pris le temps. J'en donnais pas moins à Bernard. Il est long. Il y a t'as des liens partout de références et tout. Il a vraiment fait ça bien. Quoi. Très bien. Je lui réponds. Et il y a aucun moment où il parle de la lance d'Athéna. Il y a peut-être des références dans les parties effectivement gréco-romaines. Est-ce que tu veux que je prenne une photo de la lance et que je lui envoie dans le prochain mail de remerciement? Yeah. Oui. Polyglotte, hein, évidemment. On verra ce que ça parle. Ça parle allemand. Ça parle... 140 de cuir. Donc je mets une photo de la lance d'Athéna en lui demandant « As-tu des précisions sur cet objet ?» Ok. Bah, il te répondra au bout d'un moment, effectivement. Oui, voilà. Ok. Ouais. Ok. Très bien. Alors on a bouquin, pas... du coup. Ouais, voilà. Bah, on étudie le bouquin, là. Bah, on a le bouquin, oui. Vous avez le bouquin. Est-ce qu'on peut le feuilleter, ouvrir, essayer de lire, de voir ce qu'il y a à l'intérieur? Vous ouvrez le bouquin. Ouais. Bouquin assez large, assez épais. Vous avez un magnifique tissu par-dessus. Prenez un peu le temps. Vous mettez un peu à l'écart, hein, parce que les gens, forcément. À part si vous voulez sortir de la passe aussi, vous pouvez très bien vous barrer et aller lire le livre plus loin, c'est comme vous voulez. Ouais, on peut le lire là. Globalement, vous avez une liste d'une quarantaine de statues dans Paris. Okay. Qui sont activables et qui sont véritablement des gardiens, en fait. C'est-à-dire que c'est des choses que vous pouvez activer et mettre à votre service pour nous défendre une zone bien précise. Il y a des formules, un truc comme ça. Il y a toute une manipulation à faire sur certaines statues. Okay. Globalement, il y a toujours des mots écrits qu'il faut lire en suivant les lettres. Ok. Avec le doigt. Ah, c'est dans... la formule de McGonagall, j'arrive plus à me rappeler pour Harry Potter. Bref, je vais faire une rêve, mais je l'ai pas. Et dans ces statues, il y a une statue qui vous paraît vous intéresser un peu plus, puisque c'est le triomphe de la République, qui est une statue qui est la nation. Mm. Okay. Et qui est donc une magnifique statue où vous avez une femme avec un drapeau, il y a un forgeron avec un immense marteau, il y a des lions, et il y a aussi un enfant qui a quelques armes autour de lui. C'est une statue qui est composée de plusieurs personnages. Mm. Mais elle fait partie visiblement des listes de statues. Il y a même des statues, une statue qui est un peu... On ne pensait pas peut-être qu'elle serait là. Mais vous savez, la réplique, la petite statue de la liberté qu'on a, nous, à Paris, elle est dans la liste des gardiens, alors qu'elle est un peu anachronique, je dirais. Elle n'est pas vraiment dans la liste des trucs qu'on aurait attendu dans ce tome. Ouais. Okay. Il y a vraiment même des petites statues, il y a vraiment des petits trucs que vous n'avez jamais vraiment entendu. Ça vous donne juste la rue, il y a un croisement, et vous savez que maintenant... Donc, ce qu'elles font, ces statues, individuellement ou... Elles défendent toujours la zone dans laquelle elles sont. Mais dans quel sens elles défendent? On n'a pas plus d'infos. C'est purement s'il y a un danger dans la zone, quelque chose qui est... que vous estimez être un danger, parce que c'est vous qui allez contrôler la statue, en fait, en vérité. Ah. D'accord. C'est-à-dire que si vous arrivez à un point, vous l'activez, et que pour vous, la menace est tel ou tel truc, elle va défendre la zone. Okay. Donc grâce au bouquin, on peut les activer ou... Vous pouvez les activer. Okay. En fait, vous savez, tous les gardiens qui apparaissent, vous les connaissez. Là, c'est le petit objet pour plein de gros. Hein. Ouais. Il manque un truc à notre panoplie quand même, cette goutte-là. Moi, j'aurais bien kiffé. Ouais, parce que t'as peur de mourir, t'entends? Non, mais ça reste en cas de bagarre. Ça reste quand même intéressant, la goutte. Est-ce qu'on peut avoir contact avec l'acheteur de la goutte? On pourrait peut-être aller voir la femme qui a la goutte. Parce que c'est pas qu'on est multimillionnaire, mais il nous reste encore des pièces. On pourrait peut-être trouver le contact. Bah, on est là-bas. Ouais, on est là-bas. Faites-moi un enquêté sur un mystère. Bien sûr. Un seul ou deux? Non. Vous pouvez tous le faire, parce que globalement, vous allez rechercher des traces de cette personne. 6. 8. 10 plus 2, ouais, 9. 11. 7. Alors que vous cherchez, toi tu la vois en fait. Elle est en train de marchander avec quelqu'un un truc, un petit stand de l'impasse. Ouais. Et dès qu'elle voit que tu l'as vue, elle est un peu fuyante. Pas fuyante genre à se cacher, en mode. Et ouais,
Elle essaye de prendre une direction. Elle court pas, mais tu vois qu'elle se barre en mode on l'a regardée et ça la fait chier qu'elle se barre. Et je l'interpelle. Madame ! C'est une meuf ? Ouais, c'est une meuf. C'est une jeune femme. Okay. Celle qui a le collier, vous savez, du lys rouge. Ok, bah j'y vais. Excusez-moi, madame. C'est vrai qu'elle se retourne et en fait elle fait un signe de la main. Et au moment où t'approches d'elle, t'es vraiment un peu figé. Ton pas qui allait se poser, t'es un peu figé. Donc qu'est-ce que vous me voulez ? Active mon collier. Alors t'essayes même de bouger tes bras. Et au bout d'un moment, tu vois qu'elle regarde un peu derrière, elle voit. Donc elle lâche un peu l'emprise. Okay. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes avec l'autre qui a proposé des pièces d'or pour avoir le... Oui, c'est exactement ça. C'est vous qui avez acheté la goutte ? Oui, c'est moi. Est-ce que vous, à tout hasard, est-ce que vous êtes vendeuse ? Tu vois qu'elle réfléchit un petit moment. Mm-hmm. Si vous le voulez, je peux vous en fournir une. Il y en a deux dans le flacon. Il y en a deux ? Comment ça, il y en a deux, je comprends. Il y en a deux dans le flacon. Et gratos. Dans le flacon, il y a deux gouttes. Le vendeur pensait qu'il y en avait qu'une, il y en a deux. Et sont utilisables... Indépendamment. Comme on veut, d'accord. Mmh. Ça sera 15 000 pièces d'or. Ça sera 15 000 pièces d'or. Bah, file les deux. Faut négocier. Ouais. On va négocier. Vous l'avez payé combien ? Vous pouvez me rappeler ? 7 000, ouais. Ouais, c'est 7 000. Ça. 7 000, un peu. Donc là, vous voulez 7 000. Me faire payer le double pour diviser un objet par deux. Vous prenez pour un con. Tu vois qu'elle se retourne, elle fait bon. Pardon. Et tu vois qu'elle te tourne le dos et elle avance. J'utilise mon objet, je repasse devant en vitesse. Tu vois qu'elle est un peu surprise. elle te regarde. Et ce collier, il est à vendre ? Ce collier, madame, il n'est absolument pas à vendre. Ah, c'est dommage. Et tu vois qu'elle te pousse un peu et elle continue son chemin. Je me remets devant. Écoutez, madame. Bon, c'est agaçant. Combien pour cette goutte entière ? Vous voulez, mais j'ai besoin d'une des gouttes. Vous avez besoin d'une des gouttes ? En effet. Ça m'intéresse pas. Combien pour cette goutte ? J'ai besoin, moi aussi. Bah 15 000 pièces d'or. 15 000 pièces d'or ? Vous êtes très très dur en affaires. Je vous propose 10 000 et on n'en parle plus. Fais-moi un manipuler quelqu'un, s'il te plaît. Je vais en faire un aussi, moi. En manipuler quelqu'un. 11. 10 000, vous dites ? 10 000. Très bien. Je fais ça. Je fais ça pour me la péter, mais avec ma vitesse. Je prends 10 000 et j'arrive. J'ai directement 10 000 qui apparaissent dans mes pieds. Parce que bah, en fait, je suis toujours en super vitesse, les gars. Donc je prends 10 000. Il nous reste plus que 22 600. C'est vrai qu'elle sort effectivement une fiole que vous avez vue à la vente. Ouais. Elle saisit une toute petite pipette. Elle prend une des gouttes et elle te donne la pipette. Ok. Tenez. Tu vois qu'elle referme la fiole. Et en fait, elle fait comme ça avec la main et la fiole disparaît. Disparaît. Donc là, on a bien une goutte. On n'est pas baisé. Bah, goûtez si vous voulez. Non, non. Je vais très très bien. C'est pas long. Non, on va la garder. Je la mets même pas dans la poche. Je dis, bah écoutez, merci beaucoup et je vais la confier à Filou. Hop, Filou, je compte peut-être sur toi. Peut-être que Freddy a une petite fiole. Oui. Bon. Je la donne à Freddy. Et maintenant, je donne la fiole à... Et toi, là, le bâton, le relais. Oh, putain de... C'est 10 000. C'est 10 000. Ça nous a ramené 60 000. Et au bout d'un mois, elle fait, bon, bah, merci beaucoup pour ces 10 000 pièces d'or. Eh bien, merci beaucoup à vous. Est-ce que... Ouais, non, vas-y. Est-ce qu'on a une petite question à lui poser, parce qu'elle est partie de l'ordre des sorcières. Elle a vraiment ce symbole du lys rouge, mais qui est vraiment... Quand je vous dis endommagé, c'est presque comme s'il a été cassé, reforgé, refait. Et dans l'idée, c'est de savoir, est-ce que cette goutte, je peux la mettre dans un objet type un bijou, par exemple, et ça aura le même effet, ou alors il faut absolument que je la boive. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'ai le geste de la boire. La goutte doit être en contact. Ce boire n'existe pas. Oui, moi je te laisse. Du verbe boivir. Exactement. La goutte doit être, si tu lui poses la question, elle me dit, la goutte doit être consommée, évidemment. Oui, mais si, imaginons, je suis en train de me faire écrabouiller et que ces derniers moments, j'ai pas accès à ma poche, je dans l'os. Eh ben, c'est le destin. On ferait écraser. Excusez-moi, on fait chier quand on parle, quoi. Bah, oui, vous me faites chier. Si on met la goutte dans une gourde de Holly et qu'on mélange. Bah, vas-y, essaye, vas-y, bonne chance. Le breuvage vivant, là. Libère, disparu de la réalité. Dans une robe sur Terre 616. Ça fait de la pisse. Non, mais du coup, excusez-moi, votre. Votre collier, là, il vient d'où ? Vous dites quelque chose. Je crois que vous ne faites pas partie d'un petit gang de sorcières, vous, madame ? Une sororité, oui, c'est une babiole que je garde par souvenir, oui, mais... vous connaissez la sororité ? J'imagine que vous... Enfin, si vous êtes ici, vous connaissez un peu la magie et tout, j'imagine que vous n'êtes pas des... Bah, vous doutez bien. Quel est votre passé avec
la sororité. Mais en quoi ça vous regarde? Bah, c'est pas, on essaye de nouer le contact, on essaye de discuter. Ah, vous voulez être ami avec moi? Vous voulez être une... Bah, moi, je vous trouve bien sympathique. Et écoutez, après vous avoir donné 10 000 balles, je pense que c'est la moindre des choses que de discuter un petit peu, non? On n'est pas des bêtes? Non, mais j'ai fait partie du Lys Rouge. Voilà. Vous avez connu la sorcière qui habite près d'un cimetière, il me semble, hein? Caroline Grigoli. Caroline. Caroline. Oui, Caroline. C'est quoi votre prénom? Vous entendez pas. Elle est chiante, hein. Je l'aime pas trop, je la porte pas dans mon cœur. Ouais, nous non plus, on la porte pas dans notre cœur. C'est quoi coeur. Votre prénom? Mon prénom? Je m'appelle Lilith. Ah, Lilith, joli prénom. Et si on appelle Caro et qu'on dit que vous êtes là, ça fait quoi? Bah, elle m'a vu dans la salle, vous avez peut-être dû voir qu'on n'a pas trop adressé la parole. Je voulais juste essayer de récupérer mes choses. Ce qui m'empêche globalement de la réduire en miettes, c'est qu'il y a des lois dans... Ah d'accord. Donc vous êtes. Vous avez fait quoi? Bon, c'est un peu à cause d'elle que je suis plus dans l'ordre. Donc, oh non, mais pourquoi? C'est des choses qui vous dépasseraient. Bah non, mode ragot là. T'as pas mode ragot là. Mais non, mais je savais que c'était une salope. Moi aussi, je peux pas la blairer. Dites-moi. On peut demander à son ex-collègue. Oui, on peut lui demander éventuellement après. Mais vous êtes de quelle organisation? Qu'est-ce que ça peut lui foutre? Mais c'est quoi ça? Bah, c'est vous qui me posez des questions, j'ai bien répondu. C'est fini, c'est bon, là, on a vu ce qu'on voulait. FBI. Hein. Force brute innocente. Française. Bah, l'esprit, ça me fait sourire. Elle a l'air de se décoincer légèrement. Et voilà. Vous pouvez prendre un petit verre peut-être. Un petit whisky. Bah écoutez, si vous passez dans les catacombes, oui, avec grand plaisir. Ah, bon, alors, ce genre de délire. Chitou, je crois qu'il adore. Hein. Sois normal, meuf. Et on barre. Grosse pétarde, là. Écoutez, vous savez quoi? Tu vois qu'elle prend ta main, elle saisit ta main, il y a son ongle qui pousse légèrement et elle te grave une sorte de. Alors, c'est un peu douloureux, ça brûle un peu. Elle te grave des chiffres qui ont l'air de ressembler à une position GPS. Même pas mal. Elle fait si jamais vous voulez boire un coup à l'occasion. Sinon, on a du papier. Venez à cette adresse. C'est vrai. Bah, et écoutez, en fait, quand tu la regardes, la plaie se referme, ta brûlure se referme, et en fait, tu la retiens parfaitement en tête. Wow, j'utilise mon don de dites-moi la vérité. Donc, je lui propose, je lui demande tout simplement à quoi sert cette larme. Qu'est-ce qu'elle veut en faire? Pourquoi elle en a besoin? Tu vois qu'il y a un moment de doute, elle te regarde. Et ben, ça sert. Moi, en quoi j'en ai besoin? Oui. Pour mes affaires personnelles. Mais la goutte sert à. Guérir, purifier, nettoyer, protéger, Quelles sont vos affaires personnelles? De la magie. Quel type de magie? Occulte, noire. Ok. Mais qui tu veux guérir? Personne particulier, je voulais juste objet. Pour mes affaires à moi, personnelles. Une moitié magie, noire, occulte. Waouh, mais dis donc, madame. C'est un disque rayé. Alors le truc qui peut peut-être vous sauter un peu aux oreilles, si j'ose dire, vous qui connaissez un petit peu le Lys rouge, eux, ils sont plus dans la magie blanche, protection, divination. C'est plutôt des gens, entre guillemets, des gentilles sorcières qui ne font pas non plus trop faire chier parce que vous avez vu qu'elles sont quand même capables de pas mal de choses. Donc, quand elles vous parlent de magie noire, occulte, etc., normalement, ce n'est pas trop le délire du Lys rouge. Est-ce que vous auriez peut-être eu un différent du fait que vous pensiez sur un type de magie un peu différente? Oui, le Lys rouge a un esprit un peu... Étriqués, ils sont vachement étriqués. Oui, pour eux, ramener un mort à la vie n'est pas le comble. On y arrive. Vous le comble de la résurrection, enfin de la bénédiction. Oui. Vous avez perdu quelqu'un? Vous sentez mal? Pas du tout. Vous voulez ramener une sorcière à la vie? Pas du tout. Vous ramener quelqu'un à la vie? Une sorcière. Pas du tout. Bon, je crois qu'elle nous a tout dit, les copains, et qu'il nous reste 3 jours pour nous préparer. Deux jours. Arrivez pas en retard, hein, parce qu'entre les deux, là, 10 jours, 2 jours, on sait pas trop. On va louper le coche, hein. Ça dépend si heure de nuit, heure de jour, je suis perdu. Imagine, on foire tout à cause de ça. Okay. On arrive un jour trop tard, c'est rien. Ils sortent de l'impasse, Paris en feu. Bon. C'était hier. Bah même, on est riche. Je bois la goutte. Bah, Émile Doréon, il a donné 30 millions il y a 2 secondes, l'autre, quand même, assez régalé. Non, mais il faut qu'elle ait voir. Effectivement, ouais. Au bout d'un moment, Au cours d'une phrase, elle s'en va. Ouais, ciao. Elle vous fait. Ciao, bella, bella, ciao. Merci. Et quand elle part, vous voyez qu'elle traverse pas vraiment le voile comme vous traversez le voile. Il y a juste un peu des cendres qui se dispersent quand elle part. Ok. Comme je l'ai fait. Ça se la pète. Moi aussi, je fais ce skin, merde. La chance qui Ok, Bétouine, la meuf. Ok, bah très bien. Donc là, on a récupéré une larme. Ouais. On n'a pas besoin de main de Midas, on est bien riche. Oui, ça va. Oui. Enfin, il reste que, comme j'ai dit, 22 600 pièces. Ça reste pas mal. Et il a 1800.
Ah, à 1800, on nous l'a fait pas. Ah, il a fait tu m'entends quand je la fais. On a des sous. Tu parles. Bon, comment on ferait pour retrouver la famine? Vous n'avez pas donné rendez-vous un jour? Il nous a dit dans 2 jours au portail. Ouais, toujours je pense jours. Que lui-même déjà. Et on n'a toujours pas la possibilité de rencontrer mon ref. On ne sait pas où il est. Oh, bah, ouais, la dernière fois, ça ne s'est pas très bien passé. Ce n'était pas très bien passé, c'était plus trop notre ref, ouais. Tu vois ce que je veux dire. La dernière. Donc là, on a rencontré tout le monde, non? Oui. Bah, Conquête, vous pensez l'avoir rencontré. On l'a croisé. On l'a croisé au berger. Et Conquête avait l'air effectivement plus de ton côté. Et on avait la pierre. Ouais, c'est ça. Donc là, d'ailleurs, t'as toujours la pierre pour l'appeler. Ouais. La suite des opérations serait éventuellement de nous préparer. Et ça pourrait être intéressant que Conquête nous rejoigne parce que l'art de la guerre, il doit maîtriser. En même temps que notre ami même ici. Ouais. Est-ce que ce serait pas le moment d'appeler Conquête? Il y a un peu froid là-bas. Il y a un peu froid. Il y a du courant d'air dans la passe. On prend une goutte. Hop là. Allez, Bien utilisé. Horrible. Non, mais ouais, c'est peut-être le moment de préparer un peu cette bataille à nation. Ouais, donc, je sors ma pierre. Tu l'appelles dans la passe? Non, retourne. On va peut-être retourner au plus jeune. Les schlags. Allez, hop, non, voiture. On va retourner dans. Là, il le fait super bien. Hein. Oh, bah, il est bossé. Il a bossé. Hein. Donc, vous retournez au QG. Quand vous retournez au QG, l'ambiance est un peu plus froide que la passe attend. C'est pas la teuf, globalement. Les gens ont l'air de se préparer. Beaucoup d'agents, même des agents que vous n'aviez jamais vus avec des armes, commencent à avoir des petits gilets, des armes un peu de combat pour vous qui semblent un peu. Vraiment qu'on donne, on limite un flingue, quoi. Et ils ont l'air de se préparer. Vous voyez que Yves est avec Elgabot sur un plan de Paris. Et c'est l'air d'être extrêmement zoomé sur Nation. Et d'ailleurs, alors, j'invite les viewers à taper place de Nation à Paris, sur Google Maps, et vous verrez. La vue de Google Maps, et vous comprendrez certains trucs qui, en fait, ressemblent littéralement à un pentacle. C'est une vue de Google Maps. Et donc, ils sont là en train de préparer, quelque chose, visiblement. Ça a l'air de beaucoup s'activer autour de vous. Tel point qu'ils vous remarquent à peine. C'est plutôt une infirmière qui passe, qui est sûrement quelqu'un qui a dû vous soigner pendant votre petit léthargie, qui fait « Ah, vous allez bien, tout s'est bien passé, vous êtes de retour, vous avez un plan, peut-être quelque chose ?» Et après, elle a l'air d'être appelée juste après. Elle fait « Désolé, je suis ravi que vous êtes en bonne santé. » Et puis hop, elle part. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je lui demande, qu'est-ce qui se passe? À l'infirmière? Oui. Alors, elle est l'infirmière, vraiment, elle est partie. Et c'est Yves qui te répond, en fait, qui a entendu ta voix. Oui. Surtout, on fait « Bon, on prépare. » On a eu une rafale de signaux. Mm. Et tous les signaux ont l'air d'aller vers Nation. Vers Nation. Mm. OK. On a repéré des agents du réseau. On le savait quelques-uns déjà. Quelques-uns qu'on a neutralisés. Et on est persuadé qu'il en reste, mais on ne sait pas les dénicher sur place. Okay. Du coup, nous, on lui donne un peu nos trouvailles, j'ai envie de dire. Enfin, pas on lui donne, on lui dit ce qu'on a. On a tout dépensé, vraiment. Il nous reste. Fais-moi manipuler quelqu'un, s'il te plaît. Mais techniquement, on a tout dépensé. Oui, c'est nos thunes, en vrai. Oui, mais. Il peut nous faire chier. On est à mon point de chance. C'est vrai, parfait, très bien. J'ai juste une... Il n'y a plus de monnaie. J'ai juste une question. Tu vois qu'il regarde les gens qui sont dans la pièce. Vous pouvez sortir tout le monde? Oui, sortez. Elgabot, sortez aussi. Tu vois qu'Elgabot sort aussi. Il y avait la lance d'Athéna là-bas, non? Si. Oui. Vous l'avez achetée? Oui. Oui. C'est possible qu'on l'ait acheté, oui. Est-ce que c'était la vraie lance? Oui, c'était la vraie. Ok, d'accord. Vous balancez tout, quoi. Donc, tu vois qu'il rappelle Elgabot et lui dit... C'était tout, apparemment, on a tout d'abord. Et il lui dit juste, vous pouvez, Elgabot, confirmer l'effraction et le vol. Ah, on a même le coupable, si vous voulez. C'est ce connard de McCorgy. Oui, oui. Mes mots. Tu vois qu'il l'affiche sur l'écran derrière lui. Oui. Il vous montre McCorgy, littéralement. Il faudrait qu'on le tue hein, pour ce qu'il a fait. Oh, on sait de source sûre que c'est lui. Hein. Oui, sachant qu'il vous a traité. Hein, Il déteste la chance. Il avait dit ah, la merde de Yves. Ah, j'ai pris la lance. Après moi, en tant que si j'étais patron. Enfin, mot pour mot, je suis témoin. C'est moi à manipuler quelqu'un. Sale labrador, quand même, il a dit. Les chiens, les labradors. S'il était un clébard, ce serait un chihuahua. Mais bon, encore une fois. Fois. On est sur 10, hein, je crois. Non, oui, c'est bien. Ça va, c'est... T'enchaînes, là. Tu vois qu'il regarde Elgabot. On va le flinguer, ce corps. Oui. Fait,
pour le principe, capturer le. Pour le mettre. Et dites-lui qu'on l'amène à la fourrière. Et puis, tu vois qu'il a un petit sourire. Ouais, hein, quoi, et piquez-le, et piquez-le. Hey, dans mon bureau. Ah, là, là. Bon, elle gabote, nettoyez tout ça. S'il y a besoin de l'interroger, on est là. Hein. Oui. Bah, je vous ferai savoir. Il y a besoin, effectivement. Bon, bah, écoutez, nous, on essaie de. Si. Je vais peut-être vous envoyer sur le terrain, si ça vous dérange pas, essayer de me trouver les derniers agents du RISO. On n'a pas réussi à trouver sur place. Mm-hmm. Et je sais qu'il va se passer un truc, tous les signaux indiquent que tout est à nation. Mm-hmm. Il vous montre vraiment sur la carte, vous avez, de temps en temps, même quand vous avez une alerte et que vous en occupez, de temps en temps, c'est pas rare de voir une deuxième alerte pointée et qu'il y a d'autres agents qui vont faire leur affaire. Mais là, c'est vraiment, il y en a 5-6 d'un coup, puis après peut-être une dizaine, puis après ça clignote à un endroit, mais c'est vraiment que à nation, place de nation. Ouais, et, avant tout ça, je demande à Yves si on a des nouvelles de l'attraction, parce que j'en peux plus du fourgon. Bah, elle est en réparation, malheureusement, on est en train de... Les gars, mais comment ça ? Eh, c'est le cadeau de mon père ! Non, mais il est très bien, mais on est en Big 2023, on fait de la magie, on peut pas le réparer en deux-deux. Je suis dans le fond avec le chien. Là, il n'y a pas de direction assistée. Malheureusement, là... C'est dangereux, il n'y a pas de ceinture à l'avant. Ouais. L'attraction a été corrompue, donc c'est un peu compliqué. On va pas vous donner un objet qui... Dommage, non, mais pas de souci, on n'utilisera plus ma fourgonnette. Hein. Je vais aller la ranger. Hein. Bah, il nous faudra un réhausseur pour le petit. Non, mais elle est très bien. La fourgonnette, c'est une des meilleures bagnoles que j'ai conduites. Mais... Sinon, Yves, c'est quoi votre voiture? Ma voiture. À votre plus grande surprise, je me déplace pas en voiture. Vous prenez le métro? Pas du tout. Un balai magique. Ce n'est pas un balai non plus. Mais... Un portail? C'est comment? Un portail? Ben, la majorité du temps, je me téléporte, mais après, c'est... chacun fait... Oh, pardon, monsieur. Banal, il dit ça. Ok, Yves. Ça m'est arrivé une fois de prendre le métro. Horrible expérience. Yves, j'ai entendu mission, là, très sympathique, trouver RISO, les gens, tout ça. Mais on n'est pas la voiture balai de votre entreprise, c'est-à-dire envoyer ça à des stagiaires, nous, on a la guerre à préparer. Justement, si je vous le demande, c'est que j'ai bien conscience que c'est important. C'est important de retrouver combien de personnes exactement? C'est ça le problème. Bon, je suis sûr qu'il y a des gens, des agents du RISO dormant là-bas. Je ne suis même pas sûr d'ailleurs qu'ils soient au courant que ce soit des agents du RISO, c'est ça le problème. Et je compte sur votre expertise, vous êtes les seuls à être avoir été en contact avec des agents du RISO. Ok, vous avez les fichiers, le nom, le visage. J'ai quelques fichiers qui vous les transmet un peu sur vos différents appareils. Uh-huh. Le souci, c'est que j'ai l'impression que le RISO a vu large et qu'on a capturé une personne qui n'était pas du tout un agent anciennement de l'agence, mais plutôt une bête civile qui devait passer par là, qui a été contaminée, j'imagine. Mais pourquoi ces agents du RISO précisément sont-ils importants pour notre guerre ? S'ils n'aient personne de plus ou de moins, je pense qu'ils vont être à l'origine de ce qui va se passer au portail. Ah, ce sont des réfractaires. Je pense que ça va être eux les déclencheurs, surtout. Il y a quelque chose qui se passe. Ok, d'accord. Et je préfère vous avoir, vous, là-bas, sur place. Si petit A, ça dégénère, vous serez, je pense, avec l'agent Pompon et toutes vos connaissances les plus aptes à résoudre ce problème. Et petit B, au mieux, vous pourrez éviter ce problème. Je pense que vous avez raison également. Maintenant... qu'on prenne toutes les armes avec nous, quoi. Donc la lance, faut qu'on prenne la max. Donc il faut ouvrir le coffre, même la fosse, avec les objets magiques, l'armement, tout team. On a un objet magique, mais si on l'utilise, oui. Il y aura pas grand monde à Paris. Oui, mais il y a pas grand monde à Paris si on n'utilise pas la magie, je te le dis. Alors déjà, vous voyez. Et il est fatigué. Deuxièmement, l'outil qu'on va utiliser, c'est... toutes les agences doivent être d'accord pour l'utiliser, cet objet. Il y a d'autres agences. Vous savez qu'il y a d'autres agences sur d'autres continents, d'autres pays. Bureaucratie, là. Oui, bon, c'est quoi cet objet que... Il fait quoi? Ça annule la vie sur Paris. Eh ben c'est super, on va en prendre deux. Que Paris? Oh, les Parisiens s'en foutent. De toute façon, ils se plaignent tout le temps. Les Parisiens contre le reste du monde. Attendez, est-ce que c'est un vrai dommage, ça marche? Le souci qu'on a, c'est que je ne sais pas si ça marche sur les choses qui vont sortir de ce portail. Ah. Non, on testera pas. Bon. Si c'est juste pour se faire péter, non. Ouais, c'est... Quentin, c'est intelligent. Non. Après, techniquement, on a ce qu'il faut. On peut assembler nos trois items comme les Power Rangers aussi, n'oubliez pas, c'est pas ce que ça fait. Mais j'ai ouï dire que
Ça, ah. ça vient du cube, les gars. Donc, du cube. Bah, après, la boîte. Ça vient du cube. Ça vient du cube, ça vient de loin. Donc, du fond du cube. Ah, du fond du cube. Donc, les gars, je pense que ce sera un item assez intéressant. Okay. On a la lance. On a le bouquin qui nous donne l'emplacement de tous les gardiens. Oui. D'ailleurs, il y a combien de gardiens à Nation ? À Nation, il n'y a qu'une seule statue. Qu'une seule statue. Mais c'est une statue qui est avec des lions, particulière parce qu'en fait, il y a plusieurs entre guillemets individus sur la statue. C'est ce qu'il disait, les lions. T'as deux lions, t'as une femme, t'as un forgeron. C'est l'entièreté du truc qui. D'accord. Et pour l'activer, il nous faut le livre à tout prix. Hein. Il vous faut le livre pour savoir où activer en fait. Et par exemple, typiquement, une fois que tu sais comment l'activer. T'as plus besoin du livre, c'est-à-dire que tu comprends la technique et t'arrives. Ah, juste, on a pas besoin de travailler les livres, on lit. T'es obligé d'avoir le livre pour la première activation. Philippe, prends une photo. Ah ouais, c'est pas con. Je prends mon portable. Si on perd le bouquin, on n'a pas l'air con. Hein. Une petite photo de la page de Nation. On connaît l'histoire. Ok. Ok, vérifie ta photo qu'elle soit pas blanche ou quoi. Elle est bonne. Okay. J'ai fait une vidéo même. Non, mais que... Il y a un peu de flash quoi, mais elle est pas. Ouais. On lit ce qu'il y a dessus, mais c'est un peu bon. Ça aurait pu être mieux, on aurait pu faire le point. Quoi. Ah, ouais, moi je suis pas photographe. Hein. Effectivement. Ok, on va se diriger vers Nation. Bonne Nation. Je pense. Juste une petite question. J'ai détecté à un moment une autre présence avec vous. Présence humaine. C'est oui. Est-ce qu'on doit intervenir, envoyer quelqu'un? Non, tout va bien. Non. C'est un ami. Il y a quelque chose à foutre. Non, ça va. Mais la fin du monde, c'est bon. C'était un man, il est plus là. Okay, c'est vrai que ça sent pas trop la fin du monde. Hein. On est vraiment. On parle chiffon, là, quand même. En fait, ce qui est drôle, c'est que lui a l'air relativement calme. Mais c'est pour ça. Mais autour de lui, autour de vous, en fait, vous voyez que autour du bureau, c'est vraiment branle-bas de combat. Parce que Yves, bref. Ouais. Quand l'option tuer Paris pour sauver le monde. Après, il y a l'option tuer Yves tout de suite. C'est vrai qu'il y a bien ça. Moi, je pense que de toute façon, il y a une taupe à l'intérieur du service pour le vol, pour les informations dérobées dans d'autres missions qu'on a eues précédemment. Il y a forcément quelque chose. Ouais. Oui. Vous avez raison. Et Yves est très très détendu. Yves, est-ce que vous êtes une taupe? Oui, on a cette discussion. Yves, je vous trouve très détendu. Non, Yves, lui, il est vraiment... Je sens une seringue. Une taupe, c'est-à-dire l'animal? Oh putain, il est con. Vous me prenez pour un espion, peut-être? Oui. En train de dire que tous les efforts que j'ai mis en place pour ouvrir une agence... Peut-être que quelqu'un vous a remplacé, je sais pas, j'en sais rien, un truc du style. Bah avouez que vous êtes quand même vachement détendu pour quelqu'un qui gère une agence. Il doit dépatouiller la fin du monde et bon, c'est dans deux jours. Hein. Alors, si vous voulez, puisqu'on est sur le moment des révélations, qu'apparemment on doit faire montrer patte blanche, rien à voir avec vous évidemment, mais. Je le prends. Il sort une sorte de petit plateau en bois magnifique avec plusieurs rangées de petites ampoules, les ampoules aux ailes médicales avec un produit à l'intérieur. Et ce genre d'ampoules que je dois consommer régulièrement m'empêche d'avoir des émotions qui vont prendre de mauvaises décisions. On est sur Equilibrium. Ok. Mais donc je les consomme régulièrement et c'est peut-être pour ça que je n'ai pas l'air un peu Et qu'est-ce qui me prouve pas que c'est du sérum physiologique pour les yeux ? Pas à goûter. Le mec, il croit. Je vous invite à goûter, il y a un taux mortalité de 1 sur 2, donc je vous invite à goûter. C'est-à-dire que... Non. Quoi ? Combien ? C'est soit vous êtes apte à les consommer, vous, comme vous moi, vous êtes toujours dans le bon côté. Ah, d'accord. Mais moi, j'ai... Et qu'est-ce qui fait que vous pouvez le consommer ? Je peux savoir. La chance. La chance. La chance. J'interpelle Luc qui passe justement à côté. Luc, viens par ici, s'il te plaît, viens voir. Donc, tu sais, lui, il est passé, il voyait pas à travers la vitre, tu vois. Je vais caca. Ouais, Luc oh, ça va, il ouvre la porte. Je peux rentrer, monsieur Arbineux? Oui, entrez. Luc, mon ami, mon frère. Alors, c'est ton moment de gloire, de bonté pour sauver le monde. Bien sûr. Parce qu'il y a la menthe. Luc, je t'en prends une. Attends, je vois. Tu sais ce que c'est, ça, Luc? Et Luc, il dit oui, je sais, je pense savoir ce que c'est. Tu peux me dire ce que c'est, Luc? C'est le produit que Monsieur Ambina consomme le matin avec son thé. Très bien, très très bien. Et tu sais ce qu'il y a dedans? Tu vois qu'il regarde Yves. C'est un test. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, c'est un test pour une promotion. Est-ce que tu sais ce que c'est ou pas? Parce qu'on cherche des généraux, Luc. Oh, il est con comme une. Il sait pas ce que c'est. Je vais te dire, c'est un ticket vers la promotion, mon pote. Tiens, goûte-moi ça et tu m'enverras des nouvelles. C'est une nouvelle formule. Tu vois que Yves regarde, il a, malgré le fait qu'il ait pas trop d'émotion, il y a toujours ce moment défaut, il a un petit rictus. Et allez-y, Luc, buvez. On fait boire. Et donc, Luc le prend, il regarde. Pas les couilles. Et il boit. Et entendez le cloc-cloc-cloc. Il boit. On regarde. Et il se passe rien. Pendant quelques secondes, il fait c'est bon, j'ai ma promo. Vous voyez qu'il gonfle. Et que ça
éclate et vous en avez partout sur vous, sur les murs, sur le plafond. Ça marche, il a plus aucune émotion. Il y a juste Yves qui, Yves qui sort un coup de son tiroir, il sort un mouchoir, il fait comme ça. Et lui qui il se nettoie, okay. Il sort un espèce de miroir qui... Vous et disiez... bon, bah, on va devoir recruter d'autres scientifiques. Hein. Mais du coup, Yves, vous avez essayé de nous tuer. Vous auriez peut-être eu une chance de survivre. Chance sur deux. Je vous sens pas, Yves. Mm. Voilà, je le dis. C'était dit. Ouais, ouais. Bouteille de nez. Bouteille à la mer, mais. On y va, mais. Voilà, on y va, mais. On met un indice là-dessus. Attends, ouais. Mais ça marche une fois sur deux. Attends, non, mais j'ai pas buté notre équipe. Oh, Jérôme. Attends, mais tu tombes bien. C'est le mec qui va rentrer dans la pièce, buissant par un avec la tête explosée. Jérôme, ça fait combien d'années que t'as pas été augmenté? C'est ton moment. Bonjour de chance, mon petit. Oh, l'équipe de malade. Non, mais on va aller à Nation. Allons à Nation. Et donc, vous ne me sentez pas? Mais si, c'était une blague. Si, c'est bon. On vous sent pas parce que vous n'avez pas d'odeur. En fait, on est dans une... Ça va être l'apocalypse, on est un petit peu à cran. Donc, ouais, on voilà, on peu... essaie d'être... parcimonique, parcimonieux. C'est le mot n'est pas choisi. Ouais, non, c'est pas le bon mot, mais... Ok, pareil, il t'écoute, mais il range un peu ses ampoules. Non, mais voilà, il nettoie un peu son bureau et qui fait. Yves, on sait plus à qui se fier. Des agents du réseau dormant, pas dormant, s'est fait attaquer, on a ni, nana, on sait plus qui croire. Donc voilà, on vous testait un peu, mais on va aller à Nation. Toi, il vous regarde un peu, il regarde un peu aux alentours. Il fait un signe à quelqu'un, peut-être Elgabot. Et les vitres qui servent de mur à son bureau deviennent, vous savez, un peu opaques, ces vitres qu'on peut changer un peu de mode, entre guillemets. Écoutez, si vous voulez avoir plus d'informations, vous ne me sentez pas, dites-moi, quelles questions vous voulez me poser? Eh bien, pourquoi vous avez fait notamment le cerveau? Faisons quoi? L'énorme cerveau de Rizzo, pourquoi vous l'avez fait? Pourquoi vous ne vouliez pas nous répondre? Il nous fallait un système plus proche des monstres et des créatures paranormales et surnaturelles pour... détecter un peu mieux. Et est-ce qu'il a été fait avec des pâtes à plomb? Il a été en effet fait avec des pâtes à plomb, ouais. Et en partie avec le génome de l'agent P ici. Fils de pute. Ouais, bah, d'où le SMS. J'ai compris que vous n'étiez pas. Oui, le SMS. J'ai hésité à appuyer sur le bouton, mais. Après, vous avez aucune émotion, donc c'est pas grave, ça vous fait rien. Ça vous énerve pas? Non, ça m'énerve pas, mais bon. Ça reste dans le cadre de mon tableau des ingérences et. Je fais mon travail. Sacré travail. Alors quand il vous dit appuyez sur le bouton, effectivement il y a toujours eu une sorte de bouton sur le côté que vous avez pris pour un peu ben, peut-être l'arme qui vous évoquait, mais c'est vrai que vous savez pas à quoi sert ce bouton. C'est un bouton assez discret, hein, très beau, vraiment taillé dans le bureau en bois, mais vous savez pas trop. Mais il nous a dit d'appuyer dessus. Il a dit j'ai hésité à appuyer sur le bouton, c'est ce qu'il a dit. Il fait quoi ce bouton? Ce bouton? Oui. Écoutez, ce bouton, vous voyez Luc? À peu près, Luc. Est-ce que vous vous rappelez de la tête de Luc? Avant Dans tous les agents sensibles, nous avons un petit dispositif qui nous permet d'être dans le même état que Luc. D'accord. C'est-à-dire que nous aussi, par exemple, là, nous, on a ça. Vous l'avez tous, sauf Timothée. Mais il y a une sorte de légalisation qui permet... Yves, nous avons pleinement confiance en vous. Ah, c'est Moi, je trouve que vous nous enculez, clairement. Ta gueule. Waouh, non, j'ai plus de points de chance, Timothée. Tu arrêtes maintenant. Bonne chance, Timothée. Est-ce que tu peux faire une éducation sur cet enfant, s'il te plaît? Mon rêve, Timothée appuie sur le bouton. Non, bah écoutez. Donc, il ressent pas d'émotion, mais il y a eu quand même un petit. Très bien, très bien. Mais si. Je peux vous faire une promesse solennelle, oui. Si vous désirez. Oh. Et je tiens toujours mes promesses. Oh. Si vous arrivez et que vous arrivez à nous débarrasser de ce qui va arriver, vous donnerez les autorisations et les accès à tous les dossiers que vous pensez utiles autour de ce que vous imaginez sur la situation. Ah ouais. Si on arrive à sauver le monde, oui, heureusement qu'on va avoir accès à ça, parce qu'à un moment donné... C'est pas si on doit éliminer les pâtes à pont, si on doit éliminer Rizzo, c'est ça le souci, c'est que... Éliminer les pâtes à pont. Ça te fera un super rapport de stage. Le rapport de stage. Je pense que je n'irai pas à l'école. En revanche, d'ailleurs, je dois le faire valider, hein, votre rapport de stage. Ah. Ouais. En revanche, je... C'est une blague, mais... C'est drôle. On n'a pas d'émotion. Je voudrais avoir l'intégralité de tout ce que vous avez en information patapon. Vu que vous avez fait un cerveau à base de tout ça, vous allez avoir forcément des recherches que moi-même, je n'ai pas eu accès. Et je trouve ça très dommageable. Ouais. Bah écoutez, je vous donnerai accès à tout ça une fois. Non, parce qu'il y a deux jours, oh, réveille-toi frère, hein, c'est pas la semaine prochaine. Hein. C'est vrai qu'à un moment, il te regarde, il regarde le bouton. Non. Non, on a besoin d'agents. Très bien, mais
Vous avez le droit à une entrée dans le dossier des patapons. Pas plein de dessert, enfin, à un moment donné... Juste une entrée, j'ai bien compris votre blague, mais... Oh ! Donnez-nous toutes vos pilules, s'il vous plaît. Les pilules ? Oui, les pilules. Oh, quelques-unes au moins, s'il vous plaît. Je pense que ça peut être utile plus tard. Je sais pas si je peux vous en donner, mais... Je pense que Famine pourrait se régaler. Ah. Fais-moi manipuler quelqu'un, s'il te plaît. Très fort. On est à 4 plus 6 plus 12 000. Il y a quand même une chance. Plus 12 000, ça va. 12 000. Bon, écoutez, tu vois qu'il sort et il donne une ampoule. Juste une. Juste une. Mais bon. En tout cas, il... Non, mais il est vraiment très résistant, je trouve. Faut lui faire. J'ai envie de vous mettre. il te tend une tablette. Il tend une tablette. Et fait, parmi tous ces dossiers sur les patapons, vous avez un choix. N'importe lequel des dossiers. Dans les dossiers, tu as l'anatomie des patapons et leurs faiblesses. C'est un dossier un peu global. Tu as un truc sur la, comment dire, l'histoire théorique des patapons, genre l'environnement, etc. Et tu as un dossier sur le réseau. Moi, je dirais l'anatomie des patapons pour leurs faiblesses. Ah. On a la lance. Oui, on a la lance, mais... Donc là, la faiblesse, tu vois, c'est... Ouais, donc c'est trop... La lance, en vrai, elle est pulvérise, quoi. Ouais. Bah alors peut-être Rizzo, moi, je dirais. Parce qu'en soi, l'histoire théorique, l'environnement, bon, on a le vécu, tu vois. Qui veut gagner des millions alors qu'on est là pour sauver le monde, putain, frère. À un moment donné, ouvre-nous tout. En vrai, on a beaucoup de mystères autour de Rizzo. On sait pas pourquoi vraiment Rizzo, et pourquoi c'est tout le temps là, qu'est-ce qu'ils veulent avec les patapons. Allez, ok, c'est parti, je... Ok, donc tout le dossier, le Rizzo. En fait, sur le dossier Rizzo, tu vois qu'ils ont réussi à trouver à peu près le point faible des espèces de nanorobots qui arrivent à envahir les organismes. Ouais. En fait, il faut réussir à diffuser certaines ondes électromagnétiques, etc. Ils n'arrivent pas encore à trouver quelle onde particulière. Ils savent que, par exemple, les aimants, certains aimants, en tout cas, arrivent à désactiver les nanorobots sur les entités qui n'ont pas été entièrement contaminées. Il y a ça. Et il y a un point où toi tu vois qu'à une certaine date, le réseau leur a échappé. Et que toi tu vois qu'à cette date, personne vous avait prévenu que le réseau vous a échappé. Genre vraiment, et Yves devait le savoir, des gens devaient le savoir, mais à un moment où, en tout cas, Pompon et Philibert dans la saison 1 enquêtaient, il y a un moment où le réseau a arrêté de donner des bonnes informations, ou arrêté de donner les informations, les alertes. Mmh. Et personne n'a été informé. C'est vraiment là, tu vois, même que le niveau d'un... de confidentialité est le plus haut sur l'échelle de ce qu'il y a au niveau de l'agence. On a la date exacte. Alors la date exacte, ça correspondrait à quelques semaines avant les événements qui avaient l'Arc de Triomphe. En fait, globalement, dans la saison 1, c'est là où vous avez commencé à avoir des informations un peu cheloues, des alertes un peu, qui étaient un peu... Une question. Quand il a filé la tablette et qu'il m'a dit de choisir un dossier, j'ai appuyé sur un truc. T'as appuyé sur le dossier du réseau. Ok, je prends la tablette, je la balance à Timothée et je lui dis ton orbe. En gros, il n'y a pas besoin de code pour ouvrir les dossiers. Bah oui, vas-y. Bah j'appuie sur mon orbe. T'appuies sur ton orbe, le temps se fige, tu vois les probabilités. Il y a une probabilité où tu vois que tout autour de toi, tous tes camarades ont la tête explosée. Il y a une probabilité où la tablette en fait explose. Il y a une probabilité assez fine où tu arrives à, entre guillemets, pendant le temps que tu as dans le dôme, à accéder à un autre dossier. Et il y a une probabilité assez étrange où vous vous retrouvez à l'extérieur de l'agence. Où tu vois vraiment, littéralement, tu es en dehors de l'agence. Ok, je veux... Ok, je cherche le dossier en question. Quel dossier tu veux sur les fameux... C'est un autre dossier, c'est ça ? T'as l'anatomie et t'avais l'environnement. Ouais, mais c'est en vrai, ça, au pire... Si c'est aux Zephyr, l'anatomie, il y a peut-être autre chose qu'on n'a pas. Alors l'anatomie, le peu de temps que t'arrives à ouvrir le dossier, tu vois que les patapons, certains patapons, du moins en tout cas c'était le cas de la Jean P, ont deux cœurs, qu'ils ont véritablement un espèce de point faible sur l'oreille interne, qui peuvent être assez déstabilisés selon comment on les combat. Tu vois tout un récap d'expériences qu'ils ont fait sur la Jean P, tu vois vraiment qu'elle a subi des trucs, peut-être qu'elle n'a plus du tout conscience, mais vraiment ils l'ont charcuté pour ainsi dire. Ah ouais. Et ils ont y a un point qui n'est pas une faiblesse, mais qui est un gros point en mode danger. Il ne faut pas, en gros, les armes qu'ils portent,
c'est pas le plus gros danger. Le plus gros danger, c'est leurs pattes. Leurs pattes, apparemment, c'est là le truc dans lequel il faut se méfier. Ok, pattes. Et donc, le temps reprend. Et donc, t'as la tablette. Toi, tu sais que t'as eu le temps de lire. Et tu vois, il y a juste Yves qui reprend la tablette. Et qui fait, bon, j'ai du travail. Il remet la tablette dans le bureau. Tenez-moi informé pour les agents dormants du réseau Place Nation qu'on essaye de garder notre calme là-dessus et d'éviter une apocalypse, peut-être. Bien, bien, bien. Est-ce qu'on... Vous avez peut-être des petites choses à dire sur Famine? Comment est-ce qu'il procède exactement? Famine, on n'a aucun dossier sur lui particulier. Très bien. J'avoue que on sait qu'il existe de par ce qu'on a vu sur vos images, mais... Vous n'avez pas eu d'informations sur mon ref récemment non plus? Pas du tout. On a eu un semblant d'attaque. On n'est pas sûr que ça soit lui. Où ça? Un cimetière. Il y a un cimetière où on a retrouvé pas mal de personnes décédées qui n'étaient pas, si je me permets, dans les tombes, quoi. Ok. C'est commun pour un cimetière, après. Bon. Je me permets. Exactement. Ah, il mérite que ça, vraiment. Et donc, au bout d'un moment, effectivement, Yves se retourne, on refait rentrer Elgabot. Vous voyez qu'Elgabot passe à côté de vous et qui semble, entre guillemets, c'est un peu bizarre de lui parler, mais c'est plus, il chuchote. Vous avez l'air de communiquer d'une certaine façon que vous n'arrivez pas trop à comprendre. Mais... Ok. Ah bien, allez, go, direction. On va aller à la station, c'est bon. Parce que ça fait 25 minutes. On ouais, est et le temps file. Alors, on vous croit pas, Yves. En tout cas, allez, on y va. Est-ce que vous voulez faites pas qu'on faites attention au corps en passant. On peut pas débrancher le bouton. Vous voulez pas qu'on aille voir la sorcière, aller boire un verre avec elle avant? Alors, je sais pas. Qu'elle peut être utile. Boire un coup avant de sauver le monde. D'ailleurs, je vous rappelle, en parlant de boire des coups, il y a un lieu que vous connaissez qui s'appelle le bouton qui saute. Oh oui, oui, il y a un lieu où il y a effectivement tous les monstres, les humains qui connaissent l'existence des monstres, etc., qui vont boire des coups là-bas, mangent. Et c'est un endroit, et c'est... pas de profiter de la vie. Et c'est un des rares endroits aussi où il y a une sorte de trêve, convention un peu, où il peut pas y avoir d'attaque de monstres. Genre si un humain croise un monstre alors que c'est un monstre qui se nourrit d'humains, et il y a rien de magique en particulier, juste le monstre ne va pas attaquer l'humain. Il n'y a rien de magique, c'est une sorte de convention où c'est comme ça. Ça pourrait être une idée. Est-ce qu'on n'irait pas boire un petit coup? Enfin, un petit verre. Il est intéressant, je pense, aussi de réfléchir aux opportunités que nous avons, quelles sont les forces que nous avons. Et aux alliés qu'on pourrait avoir. Etc. Par exemple, je sais qu'on a éventuellement la magicienne chez les fleurs, qu'on les carreaux, oui. On pourrait avoir la personnalité qui est partie dans la boîte, ça se trouve, il y a moyen de la rien manquer. Surtout qu'on peut les soudoyer. Alors la boîte, vous l'avez, fait. On a conquête, on a conquête, il faut qu'on le récupère. On a conquête avant, qu'on n'a toujours pas appelé. On peut les boire un verre. On peut faire un double rendez-vous en appelant Caroline et la sorcière qu'on vient de rencontrer. On leur dit pas qu'on va être là. Voir un petit peu et voir, ça finit en soirée belle. Alors pour la fin du monde, on peut rire. Est-ce que vous voulez aller au bouton qui saute et envoyer un peu des missives à qui vous voulez amener? Il y avait même celui qui nous avait beaucoup aidé sur la mission avec la créature dans la cave. Ah, je ne me savais plus. Cette espèce de Gorgoth incroyable, force surhumaine, qui était parti à la fin. Ah, ce soldat de presque de l'hiver. Faut envoyer les missions. Le soldat de l'hiver, oui. Donc vous allez au bouton qui saute, qui est dans le quartier, pas très loin de chez vous en vérité, qui est pas loin de Montmartre. Il y a l'air d'avoir une ambiance plutôt festive. Ça n'a pas l'air de fêter quelque chose de particulier, mais les gens ont l'air enjoués. Globalement, vous voyez qu'effectivement, dès qu'on rentre, il y a des monstres, il y a des monstres, des sorcières, il y a un peu de tout, et des humains, des enquêteurs, peut-être même des agents aussi qui sont là, qui passagent. Mmh. Et les gens sont en train de boire et de manger. Globalement, il n'y a rien de particulier. Alors si vous avez... Alors là, il va falloir que j'aille le chercher un peu loin. Vous avez le barman, Hervé. Que lui, vous connaissez, qui est un humain, ce qui est le plus lambda, un humain vraiment, mais qui arrive à tenir ce bar. C'est-à-dire que vraiment, il a une sorte de respect autour de lui, il arrive à tenir ce bar, et lui, dès qu'il vous voit, vous êtes 5, mettez-vous là-bas, il y a une table qui s'est libérée. Je viens dans 2 minutes, j'arrive dans 2 minutes. Est-ce que parmi les gens qui sont dans ce bar, il y a une espèce de femme qui peut être assez... bonne vivante, bien en chair ou pas? Alors en parlant de... Quelle raison? Et pour baiser lui. Ah bah je vais vous le dire, c'est la dernière nuit, je suis pas là pour ça. Et crois-moi que Fredo il a envie. Alors il y a la seule personne qui pourrait correspondre à ça, c'est malheureusement pas une femme.
C'est un monstre qui a une particularité assez qui est vraiment pas mal. C'est littéralement la gourmandise qui est là. Oh là là. Qui s'appelle Gérard de Pargol Lambert. Et qui est connu pour avoir un peu sa cave ici, puisqu'en fait, c'est l'un des propriétaires du bouton qui saute. Et donc, lui, il est connu pour aimer le Corse, la viande Corse, mais l'humain Corse. Donc, il a une cave à Corse chez lui. Ah ouais, d'accord. Et donc, lui, il est vraiment un peu ventripotent, il mange, mais c'est vraiment le bon vivant par excellence. Oui, c'est le seul que tu vois dans cette corpulence-là. Oui, oui. Après, dans les femmes, etc., il y a des sorcières du Lys Rouge. Qu'est-ce que... Qui sont passables, mais... Est-ce que... C'est vraiment le projectile, là. Mais c'est Fredo, c'est pas moi. Moi, Freddy, il est là, il est avec vous, mais Fredo, c'est un animal, c'est une bête. Tu vois, et lui, il se sent en danger. C'est vrai. Donc, quand un animal se sent en danger, il va se reproduire. C'est pas un lieu de passe. Une scène de sexe dans laquelle... C'est vraiment un petit chef qui traîne. Un petit bistro, ouais. Mais, du coup, on a envoyé des missives, est-ce qu'on a les deux sorcières? Alors, à qui? Alors, vous envoyez des missives aux sorcières? Ouais. Alors, vous vous dites quoi? J'ai envie de venir au bouton qui saute? Ouais, bah... Est-ce que vous leur donnez rendez-vous? J'avais l'adresse de l'autre et tout, elle m'avait tout écrit sur la main. Vous leur donnez rendez-vous à Nation ou au bouton qui saute? Non, au bouton qui saute. Tu dis, bah attends, tu te souviens, je t'avais dit qu'on allait boire un verre, viens boire un verre, etc. Puis on dit que la soirée se finit à Nation. Et oui, oui. Ouais, bah, on fera un petit after à Nation. Alors, il y a Caroline Grigny qui arrive en première. Ok. Okay. Qui elle vous cherche un peu du regard, vous trouve très vite, arrive. Et, vous avez invité, vous avez l'air inquiet, qu'est-ce qui se passe Et juste après, la porte s'ouvre avec la petite cloche. Et il y a Lilith qui arrive, qui vous voit, et elle voit de dos, elle reconnaît Caroline Grigny. Et tu vois qu'elle te regarde, elle a un regard noir, ses yeux changent littéralement de couleur. Et donc elle vient, elle tire une chaise à quelqu'un qui allait s'asseoir, qui tombe, elle se met à côté de vous. Fait bon, vous vouliez me voir pour boire un coup? Bah oui. Elle regarde Caroline, elle fait « connasse ». Ah ouais, wow. Ok, wow. Je sens qu'il y a une... L'ambiance est faite, Et même Caroline, qui est toujours un peu joyeuse, etc., vous voyez qu'elle tire un peu la gueule qu'elle soit là. Attendez, je sens qu'il y a une tension, je sens que vous êtes partie du mauvais pied. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui entre toutes les deux. Non mais vous aviez une demande, vous les avez besoin de nous pour quelque chose? Bien sûr. Oui. Nous, notre demande, c'est de l'amour. On voulait juste boire un coup avec nos nouvelles amies. Et il se trouve que je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe entre vous deux. Et ça m'empêche de dormir la nuit. Bah, voilà, ta femme à deux têtes. Et voilà, je te la prépare. tu vois que Lilith, elle dit, mais en quoi ça vous regarde? Et Caroline, elle l'arrête tout de suite. Écoutez, cette petite femme a décidé un beau jour de débarrouler dans les cimetières que nous protégeons pour se servir en, je cite, hein, je te cite, tu vois, en ressources premières, c'est-à-dire des corps humains. Voilà. Et on ne fait pas ça, on ne dépouille pas des cimetières. Ah. Et pourquoi pas? Et tu vois que Lilith, elle fait, oui, mais il faut être un peu curieuse aussi en magie. Tu vois qu'elle essaie de justifier un peu et le ton monte assez vite. Oui. À tel point que les deux vraiment se lèvent, et Caroline qui se lève en première, Lilith se lève en première. Et ça se dispute, et il y a Lilith qui prend un verre, qui le casse et qui se barre, de l'établissement. Bon. Et Caroline, elle vous regarde, elle fait, bon, c'était peut-être pas une bonne idée, désolé. Attendez, je vais... Tu vas voir Lilith. Et je suis parti pour... Très bien. Ok. Bon, vous avez besoin d'aide sur quelque chose? Oui, c'est la fin du monde à Nation dans 24 heures. Ah. On aurait besoin d'alliés. Ouais. Tu vois qu'elle regarde... Elle regarde le barman, elle fait trois bouteilles de gouttes, s'il vous plaît. Donc on lui ramène, puis elle se sert... Elle sert vraiment un shooter pour chacun d'entre vous. En fait, elle les boit, elle, toute seule. Ah. Elle vous sert des shooters et elle vous les tend. Elle fait, je m'en doutais un peu, mais... Est-ce que vous en êtes? On a besoin d'alliés. Bah oui. Mm. Oui. Est-ce qu'il faut que je convoque ma directrice de sororité? Si vous pouvez convoquer toutes les sœurs, vraiment. Je pense qu'il va falloir convoquer tout le monde. D'après nos sources, ça va être la fin du monde, mais façon... 14 juillet. Hein, donc et c'est d'ailleurs bizarre qu'elle ne soit pas au courant. Enfin... En fait, de ce qu'elle a l'air de vous dire, elle avait un peu des... Il se passait un truc, mais ils n'arrivaient pas trop à saisir globalement ce qui se passait. Mais ils sentaient qu'il se passait un truc. Il n'y a que nous qui savons, en fait. C'est le principe du jeu. Ce serait bien de mettre au courant tout le monde. Ok, j'ai compris le but de l'aventure. Mais je me dis que... En RP, ça fait 6 mois qu'on fait ça. En RP, je me dis, mais merde, à un moment donné, c'est des entités magiques. C'est vrai, c'est vrai. Il y a juste Caroline, et après, elle reboit un shooter de cet alcool. Et vous avez des nouvelles de François ou... Ah, François. Ah oui, François. Votre amoureux. Ah oui. Eh bien, écoutez, non, on n'a pas de...
Ouf, non. Ok, bon. Ouais. Bon, je m'occupe de convoquer les sorcières à Nation dans ce cas. Et pourquoi vous n'avez pas de nouvelles non plus de Pas de nouvelles non plus. Rien, pas de nouvelles. Bizarre. Ah, vous savez, les hommes. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, il n'y a pas eu un accident, il n'y a pas eu. Non, attends, mort. Non. Alors, vous aurez dit. Dans notre équipe, personne ne meurt. Oui. Ouais. Oh, nous, on n'a pas eu. Ouais. On a eu. Oh, la limite. Non, on n'a pas été pas là, toi. On n'a pas été. Donc, elle fait bon, bah. Très bien. Elle prend une des bouteilles qu'il y avait. Et je m'en occupe. Prenez. C'est fait. Ça, c'est cool. Ok, ça, c'est donc les sorcières, vous êtes allées. Les sorcières, c'est bon. Elles sont allées. C'est noté. Et si Lilith, c'est bon aussi? Bah, en fait, elle fait pas partie du Lys Roux, donc elle va pas l'appeler. Donc, voilà, elle est pas dans le. Je reviens. Oui. En me tenant la joue. Toi, t'es dehors avec Lilith. C'est lui qui a la plainte d'abord. Alors, elle t'a mis une gifle. Faut qu'on l'appelle pour famine. Elle t'a mis une gifle, mais elle t'a dit qu'elle en ferait. Oui. Ok. Comment il s'appelle déjà? Je reviens vers eux. J'ai la main comme ça, je fais. Elle sera des nôtres. Elle sera avec nous pour la bataille finale à Nation. C'est sûr? Ouais. Oh là là, les frappes fortes. Hein. Est-ce que je peux prendre ma pierre et appeler Conquête du coup? Ah bah, tu peux appeler Conquête. Proposer de venir. Juste voir vérifier, parce que j'ai un tout petit nom pour le nom justement de la corne d'abondance. C'est Aldo Fresh. Oui. C'est Aldo Fresh, mais je cherchais un autre truc, mais c'est ça, Aldo Fresh, et je cherchais un truc sur la corne d'abondance pour voir s'il n'y a pas une. Ok. T'as appelé Terrence? Alors attendez, laissez-moi regarder. Terrence. Ce ne sera pas possible, malheureusement. Tout soon. Alors Conquête, en fait, tu l'appelles, tu saisis la pierre, tu sais à peu près comment l'utiliser. Il se passe pas grand-chose dans le... Merci, Terrence. Il se passe pas grand-chose dans le bar pendant un petit moment. Puis à un moment, la porte claque, la cloche sonne extrêmement fort. Et il y a effectivement un humanoïde assez grand. Vous vous direz que vous criez que c'est un patapon, mais lui il est un peu habillé, un peu vous voyez Denver en mode il a mis un chapeau, des lunettes de soleil. Et il cherche et vraiment il s'assoit à votre table, c'est-à-dire littéralement il se met un peu en tailleur face à vous. Vous m'avez appelé? Ça commence bientôt, je le sens, ça arrive là. Dans 24 heures, et on va avoir besoin de. Oui, vraiment, il a les mains, il a les pattes sur la table, il a ses poils qui sont un peu. Énervé. Oh, je le sens là, c'est bon, ça sent, ça arrive. C'est vraiment. Bizarre. Conquête, j'ai cru que vous étiez en danger, donc je suis arrivé directement. On a besoin de s'assurer que tu seras bien avec nous à Nation pour. Bien sûr. De notre côté. Du côté de guerre, oui. Oui. Mais si vous êtes du côté de guerre, je serais. De notre côté, mais elle sera. De notre côté. Bien sûr. Ok, oui. Oui, bien sûr. Je veux entendre un sérum. Il y a un petit piège, je vais vous la mettre. Mais nous, non. On peut parler à Conquête, il nous comprend. Il vous comprend. Là, il parle votre langue. Ok, ok. Il y a des mots où. Des fois, il les utilise. Ouais. Bon, c'est pas ça, mais vous comprenez presque. Conquête, t'aurais pas 2-3 tuyaux à nous filer là, sur un certain famine? Il nous a pissé à la gueule, là. Tu vois qu'il regarde dans sa veste. Les tuyaux, c'est ce que vous utilisez pour le... Pour la plomberie, mais c'est une expression. Wow. Le métro? Il parle des métros? Non, alors non, je parlais de... Est-ce que tu sais où est Famine? On va aller plus vite. Alors, Famine, je l'ai croisé dans une boîte rouge. Il est là, il est à côté. Et une boîte rouge, il y avait des trucs marqués, il y avait plein de gens, des humains très maigres. Et oui. Je me suis battu un peu avec lui. Et... Tu t'es battu avec lui? Et ça s'est arrêté là et il a réussi à s'enfuir. Parce qu'il nous a donné rendez-vous à l'époque, c'était hier, dans 2 jours, au portail. C'était Tahl l'ancien. Aujourd'hui, il sera dans le 4. Ok, Je me disais, ok. Il sera, j'imagine, mais... Oui, j'imagine aussi. C'est plus mort qui m'inquiète. Ouais. Pourquoi? Elle est mort. Je ne sais pas où est mort. Je pense qu'il viendra au rendez-vous. On peut s'attendre à le voir là-bas. En fait, je ne le sens plus, j'arrive plus à savoir où il est. Alors que Famine, tu le sens. Famine, il arrive à savoir à peu près où il est. Et toi, tu as peut-être perdu cette capacité à un moment donné, mais lui, il arrive, il est assez loin là pour le moment, mais il a l'air de se déplacer. Okay. Il faut qu'on trouve des aimants. Oui. C'est vrai. Et des trucs qui font des fréquences. Genre des radios, quoi. Un petit bruit brun, là. Okay. Parce que les nanorobots, c'est leur... Ouais. C'est pour le réseau. Bien. Et en se battant contre Famine, t'as pas eu faim à un moment? Moi, les pouvoirs de Famine ne me font rien du tout. Nul. Donc j'ai l'impression que... Ok. Tu dirais que t'es plus fort que Famine? Je pense être plus fort que Famine. Tu vois qu'il hésite. Pas à cette époque. Il y a un moment, j'étais plus fort que lui, mais...
Aujourd'hui, on n'a pas assez combattu. Famine a une faiblesse autre que les faiblesses des patapons. Tu vois qu'il sort, une immense épée comme toi, t'as eu. Et vraiment, il la pose sur la table, il casse les bouteilles. Okay. Il y a vraiment tous les clients du bar qui ont un peu peur, qui ont sursauté. Et il y a juste le barman, donc Hervé, lui, qui a sorti des espèces de coups de poing américains. Vous voyez qu'il y a plein de symboles. Wow. Et il regarde comme ça. Et juste, il y a une conquête, arrive à peu près à comprendre qu'il a fait un truc qui n'allait pas. Oui, range là, c'est pas un coup, merci. C'est quand même gros, ça, voilà. Je lui montre le plan de nation que j'ai dessiné. Waouh, j'aurais pu faire d'autres dessins, mais je me suis très beau blanc. C'était une blague. Wow. Bon, ouais, j'ai fait, alors, la nation. Quand tu montres l'image, il a vraiment un côté où il fait un peu comme les chats, où il souffle. Tu vois, qu'il se retire un peu de la table. Et même toi, Pompon, quand tu vois l'image, t'es pas ultra à l'aise avec ce truc. C'est pas si moche, attends. Donc, il je se recule. Sens un peu insulté. Il se recule encore, il y a toujours ce moment de... Si, j'ai des talanes. Alors, d'où nous dire comment faire pour défendre cette position et botter le cul de tout ce qui va arriver. Tu vois qu'il regarde... Enlever, ça brûle les yeux. Ah, mais tout m'emmerde. Allez, vas-y, oui. Un portail, il faut y aller et se battre. Tu es conquête, connais les techniques de guerre de tout le monde entier. Oui. Qu'est-ce que tu me dis? On y va, on se bat. C'est nul, c'est zéro. Le plan de stratégie. Il saisit ton bras, mais vous êtes tout faible. Vous allez vous battre, vous? Non, mais le chauffez pas, parce qu'il n'est pas si faible. Tu veux sortir, je la sorte moi aussi, tu vas voir, si je casse pas de table. Bon, alors, tu me donnes des plans de stratégie ou pas? Si je vois le portail, je pourrais vous dire comment optimiser nos chances de victoire. Oui. Okay. Ah, oui, d'accord, elle est très con. C'est bien. Coquette, est-ce que tu voudrais venir avec nous à Nation quand on va enquêter? Oui. Va venir à Nation. Mais j'ai l'intention d'y aller, vous m'avez arrêté un peu sur la fête. Reste avec nous. T'as hypé un peu? Bon, c'est super. Tu vois qu'il vous jauge. Il vous jauge un peu tous. Et tu regardes, ils savent se battre. Ils feront les appâts, t'inquiète. Et qu'est-ce que fait ce petit humain de bien? J'arrête le temps. Il a 160 de QI. Et je suis intelligent. C'est tout. Et lui, là? Il a de l'argent. J'ai l'éloquence. C'est vrai qu'il ne cible pas les bonnes personnes. Ah non. Lui? Ah non, on parle pas mal de Johnny. Et là, quand il me montre du doigt, tu sais ce que je fais? Je lui montre mon pouvoir. J'active, je vais au bar et je bois 10 bières d'un coup. Et là, en une seconde, bam, 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 je fume tout. Et je dis, alors. Et t'as mal au bras. Et là, je. Fais-moi un évaluer situation qui craint, s'il te plaît. Comment il dit? Et meurt. C'est situation qui craint? Ouais, évaluer une situation qui craint sur le futur. On est à 9. T'arrives, tu. T'as vraiment des roues. Alors, conquête. Ah, lui, il boit après les batailles. Il a d'autres qualités, mais oui, il célèbre les batailles. Que tu m'as vu boire, ça allait super vite. c'est ça ma capacité. Il regarde et il te met une tape sur le ventre. Okay. Et oui, je vois que vous avez bu beaucoup. Peut-être aller pisser, marrant. Et là, je vais pisser. on a besoin de toi. Bah, préparons le terrain. Je crois que. Voilà. Alors, conquis par l'équipe. Mais depuis tout à l'heure dans ma tête, mais en fait, on va se faire déglinguer. Tu sais quoi, on va partir chez nous et puis on va les laisser se déborder en fait. On croirait qu'on est des mecs pour les spectacles d'enfants là. Oh l'enfer. Alors que vous êtes en train évidemment de vous rendre compte peut-être de la faiblesse de vos existences. C'est terrible. En fait, vous constatez qu'il y a pas mal de clients qui sont en train de regarder le ciel, qui se mettent un peu aux fenêtres du bar. Et le ciel commence à un peu s'assombrir, à avoir des teintes un peu rougeâtres. Presque violette par moment. Je crois qu'il faut qu'on décale. Et à un moment, alors que vous regardez à la fenêtre, il y a un oiseau qui tombe. Puis un deuxième, puis un troisième, et vous en comptez plusieurs qui tombent du ciel mort. On va peut-être attendre la fin de la pluie. Je monte sur le bar et je crie « C'est la fin du monde, venez nous aider. Tous ceux qui viennent, vous aurez 5 pièces d'or. » Ah, fais-moi à manipuler, manipuler quelqu'un. Allez, je dois faire. 6 plus 2, plus 2. Ah bah, ça fait 10. 10. Il y a une partie de ta tribune qui ont l'air de te croire, mais pareil sur parole, mais en même temps, il pleut des oiseaux morts et tout. Donc, parmi cette troupe, il y a quelques humains, certains que vous connaissez, parce qu'il y a vraiment des chasseurs de monstres expérimentés. Et vous en voyez un qui est un ancien de l'agence, qui s'appelle l'agent H. Et lui, il a l'air un peu baraque, un peu chaud pour venir. D'ailleurs, en fait, dès que tu as dit, il a,
Il est parti, il est directement parti, il a juste tendu la main pour que tu lui donnes les 5 pièces d'or, et il a pris, il s'est barré, et il a directement été à l'endroit qui pense être l'endroit. voilà. Et les autres, effectivement, tu as une armée peut-être d'une vingtaine de personnes, mais c'est quand même, c'est pas 20 blaireaux, c'est 20 monstres ou 20 chasseurs de monstres. Cool. Et les autres se regardent, puis tu as vraiment un peu d'autres gens qui sont peut-être de passage dans Paris, ouais. Qui sont pas... Là, je regarde Conquête, je fais, c'est ça mon pouvoir. Le pouvoir de l'amour. l'amour, nous l'avons chez nous et tu vois qu'il te fait le signe de... Oui. Ah, quoi ? Bah, fin du game, il n'y a pas l'amour là-bas. Bon, bah, il tord de l'amour. Et qu'est-ce que tu très fais mauvais, avec l'amour ? très mauvais combattant, l'amour. Ah oui, d'accord. Okay. Vous avez d'autres patapons avec des noms doux qui se sont fait... C'est quoi un nom doux ? Un nom comme amour. Positif. Un nom positif. Est-ce que amour... Il y a qui d'autre comme amour qui s'est fait... Ouais. Ah, il y a Pestilence ? Pestilence. Ah, Pestilence. C'est bien, hein. Vous avez quoi comme votre nom un peu nul ? Et ils vous donnent toute une liste. Il y a même des noms de maladies, des trucs un peu, et ça, c'est genre divers. Rhume. COVID. COVID, c'est un petit nouveau, c'est un lapin, il est comme ça. COVID-19. Et non, effectivement, vous vous rendez compte qu'il y a plein de, comment dire, d'émotions, ou même de maladies, ou de choses de ça, qui sont un peu personnifiées. OK. Ça crée très bien. Bon. Bon, ben, hey, on a une belle armée. On a bien recruté. Ça va, mais on peut peut-être partir à Nation, voir ce qui se passe. Tu conduis ? Je peux conduire, je suis en état. Je m'allume une clope. Les gars, je vous le dis, je tire juste une latte et je la jette. Tu ne ferais pas le test de l'alcoolique, c'est-à-dire mettre ton bras sur la jambe et... Mais je le fais, là je vous baisse tous. Je vais le faire super vite. Chut, hop, je l'ai fait. Il l'a même pas activé. Je suis en cooldown des 10 minutes. Mais je vous promets, je l'ai fait. On y va. Donc vous prenez la route. Il y a des moments où ça tape un peu, mais bon, ça va. En fait, quand vous arrivez, il y a pas mal de sirènes de police. Il y a l'air d'avoir une zone un peu autour de Nation. Ils sont en train un peu de filtrer des personnes. Et donc, quand vous arrivez au niveau du filtre, du barrage, tout de suite, en fait, il y a Conquête. Qui descend du fourgon en mode on est arrivé. Et quand il y a des policiers qui commencent à le menacer avec les armes, vous reconnaissez certains membres du réseau. En fait, Conquête, lui, a ce réflexe vraiment prédateur animal, qui saisit son épée. Il passe et devant vous, alors toi, t'étais juste devant les policiers, tu te retrouves juste avec le tronc des policiers sur la vitre. Mais putain, déjà qu'on a arrivé, il va la baisser. Et il vient de couper les policiers qui étaient devant. Conquête. Et qu'il est devant le pare-brise de le fourgon, il fait. Il essuie le sang et il fait. Non, ils sont gentils, ils sont avec nous. Oh, dans tout Dieu. Tu vois, gentillesse que t'as tué dans ton monde. Tu peux pas tuer tout le monde ici, plus. Oui, hein, bah là, il faut parler à Conquête, hein. Excusez-moi, il apprend les coutumes locales. Bah, c'est un terrain qu'on doit conquérir. Oui, mais c'est pas eux les mecs à conquérir. Attends, Conquête, stop. Conquête, tu penses qu'on va faire quoi là en fait? Bah, on va défendre, conquérir cette zone. Non, par contre, on est à côté de Nation d'Opéra, là, je ne comprends pas. C'est parti, là. Alors, effectivement, quand vous êtes rapprochés, le ciel est apocalyptique. Enfin. Il y a beaucoup de créatures volantes, d'oiseaux divers et variés qui tombent. Il y a la foudre qui commence à montrer le bout de son nez. Waouh. Et en fait, autour de la place, on est en train d'évacuer des civils au fur et à mesure. Et en fait, par moment, il y a une sorte de, comment dire, vous voyez, des civils qui n'ont rien à faire là. Qui, genre, ils ont une tenue, peut-être de la voirie, etc. Mais c'est bizarre, ils ont une démarche un peu étrange. Genre, ils marchent, ils cloquetillent un peu. Et vous voyez, en train de jeter des sortes de pierres, roches, vous ne savez pas. Et vraiment en ligne, ils sont en train de compléter quelque chose, en train de faire vraiment une ligne. Et vous les voyez en train de faire ça, et les gens, eux, se font décaler. Il y a pas mal d'hommes armés qui sont en train de les disperser un peu partout. Qui me pose des petits des personnes et qui vraiment, vous voyez, ils ont vraiment plus une veste un peu, vous savez, les vestes gilet un peu orange, là. Etc. Bon, bah, ils sont vraiment le gilet, bizarre, il n'a pas de sens, ils l'ont mis un peu à l'arrache, ils ont vraiment des mouvements un peu. On empêche l'invocation, oui. Puis c'est tout. Voilà, allez hop, Conquête là, Dyson. Dyson. Wilkinson. C'est une expression. Il te regarde et fait. Ouais, voilà. Ouais. Et lui, eux. Waouh. Très dur.
Non, il va pas les aspirer. Il prend un des troncs, il fait. Oh, c'est vraiment pas cool. Découpe-les. Oui, c'est le Golemon originel, hein. Et te regarde, mais personne ne peut mourir en faisant ça. Découpe les gens là-bas. Vous êtes débiles. Il lâche le tronc et commence à partir. Et en fait, vous le voyez vraiment assez vite, avec des grands pas, en train de faire chaque branche d'avenue qui mène à Nation. Vraiment, il y va. Et il y un par un. Et là, vous commencez à entendre des tirs. Vous entendez des gens qui paniquent un peu. Et en fait, au milieu de la place, vous commencez à voir que, un peu dans la pelouse, un peu partout, il commence à avoir des faisceaux de lumière. Un peu comme du feu qui s'est en train de percer la place de Nation. Par contre, on n'a pas du tout trouvé les agents dormants, je sais pas quoi, là. Non, il y a... Là, faut les réveiller de la sieste, là. C'est... La statue aussi. Mais comment tu veux les trouver? Est-ce qu'on ne serait pas le moment d'activer la statue de la Nation? Allez. Oui. Quand vous dirigez vers le centre, toujours dans la fourgonnette, j'imagine. Bah, bien sûr. En fait, au moment où tu arrives sur la place, où il y a l'herbe, etc., il y a une énorme explosion sous terre qui vient percuter la fourgonnette. Tu vas pouvoir me faire un agir sous pression. Bien sûr. S'il te plaît. Fuck. Dioli? Non, ça va, non, ça va. Dioli? D'ailleurs, je vous rappelle que vous avez aussi la Holy Moly. Hein. Oui, c'est vrai. On la Holy Moly, qu'est-ce qu'elle fait, la Holy Moly? La Holy Moly, en fait, elle te donne des bonus sur la durée. Sur la durée. Mais pour tout le monde? Que pour la personne qui la boit. Ah, ouais, bah ouais, c'est ça. Tonton, est-ce qu'il y a moyen de demander à Yves de nous passer plein d'aimants partout, dans des avions, de faire tomber plein d'aimants? Je lui envoie ça. Moi, j'ai fait 8 du coup, au total. Tu arrives à esquiver le premier. T'es un peu surpris. Et en fait, il y a un deuxième où tu vois que la terre vraiment se soulève, craquelle. Et en fait, celui-là, où tu le prends vraiment en pleine face, côté, de ton côté. Ça t'arrache une partie du fourgon. Et le fourgon commence à tomber, vous êtes tous sur le côté. J'explique ça comment, mon père? On n'aura pas le temps. C'est pas la priorité, Timothée. Donc vous êtes vraiment sur le côté. Ouais. Toi, tu viens de te rendre compte que si tu étais un peu plus avancé dans le véhicule, tu y passais. Ok, mais... Et donc là, du trou sort vraiment de la lumière, comme s'il y avait vraiment quelque chose, presque de la lave en dessous. Et vous voyez des bouts de terre, en fait, qui sont en train de tomber. Il y a des terriers qui sont en train de se former un peu partout. Et vous voyez une première patte sortir, une deuxième, Pompon, et vous voyez un patapon. Alors le patapon est un peu moins grand que Pompon. Tiens ta famille, Pompon. Et vous en voyez quelques-uns qui commencent à sortir un peu de partout. Oui. Qu'est-ce que tu veux envoyer à Yves comme message? Qu'est-ce que vous voulez envoyer à Yves? Je veux qu'il livre des tonnes d'aimants et qu'il les fasse tomber du ciel. Ok. Une livraison. Via les cargages aériens. Colis stratégique. Alors que toi, vous êtes en train toujours dans la fourgonnette, vous voyez vraiment pléthore de patapons sortir. Ils sont beaucoup plus petits que vous, hein, dans le sens ils sont à taille humaine, alors que vous êtes vraiment beaucoup plus grand que les humains. Et il y a très rapidement, en fait, vous entendez une sorte d'avion, vous savez, les vieux avions, vraiment, vous entendez vraiment les vieux rotors. Vous en voyez passer un qui vole extrêmement bas, presque à raser les immeubles haussmanniens. Avec une musique un peu rock. Il va nous le dire, puisque la personne qui conduit et qui va atterrir près de vous va pouvoir rentrer, on va pouvoir faire rentrer notre agent. Notre agent François, l'agent dormant ou pas trop dormant. Il est là. Il est parmi nous. Il arrive clairement. Il tient le pied. Il est comme ça avec sur une aile. Et dans cet avion, il y a d'autres agents, d'autres équipiers qu'il a récupéré, reformé. Mais non. Et donc tu as quelques armes aimantées, quelques canons à aimant, quelques trucs qu'on t'a filé. J'en ai pris un dans la gueule. Et t'as plein d'aimants dans la gueule aussi, surtout. En effet. Et donc toi, tu es en train d'arriver, de survoler Place de la Nation. Et donc tu commences à sortir de cet avion. Décris-nous comment tu veux le faire. Je la vois à la Rambo qui sont vraiment... Ouais, bah, je vais descendre en parachute comme ça. On se trouve bien. De quoi? Viens à côté de moi. Ah, pardon. Voilà. C'est mieux là? Non, effectivement, l'avion, lui, donc vous voyez descendre en parachute plusieurs personnes, vous reconnaissez immédiatement l'agent François qui descend. Ah. Et l'avion, lui, l'avion repart. Et quand l'avion repart, en fait, il y a un moment où vous entendez juste une sorte de... comment dire, de vent, un vent très net, genre comme une bourrasque nette, précise. Il avait lâché une caisse. Et en fait, vous voyez que l'avion se met à exploser. Alors que l'avion commence à repartir, l'avion se met à exploser. Il y a eu un énorme trait noir, en fait, dans le ciel. Et vous commencez à voir que quelque chose approche, puisqu'il y a vraiment des masses très noires d'oiseaux, des choses en train de mourir qui tombent du ciel, qui a l'air de s'approcher de vous. Quelque chose s'approche de vous. Je veux pas faire de manière assez rapide. Les oiseaux morts. Mais... Ouais. Et... Mmh. À une des parties de la place de la Nation,
vous entendez des cris, des personnes qui en sont en train d'hurler. Et il y a un immense patapon que vous reconnaissez comme Famine qui arrive et qui décale des gens et qui arrive sur la place. Tout de suite, Conquête, lui, alors qu'il était en train de, vraiment de décapiter des policiers qui étaient autour. Quoi. Cool, c'est trop con, c'était pas possible. En fait, il y a un moment, vous le voyez vraiment très nettement s'arrêter dans son action. Il se retourne et vous entendez le bruit de ses pas lourds et même Famine qui commence à arriver à courir les uns vers les autres. Et en fait, il passe au-dessus de la statue qui est au centre que vous voyez sur la place de la Nation. Et les deux se battent quasiment en l'air. Pour vous, c'est genre une scène incroyable. Ah ouais. Ils sont en train de se bastonner en l'air. Ils font vraiment des bonds au-dessus de la statue en train de se, de se tabasser. Toi, t'arrives avec une troupe d'agents. Activer la statue, peut-être. Alors, c'est des agents, la plupart des agents dormants. En fait, Yves, t'avais confié une mission, c'est d'aller réveiller les différents agents dormants qui étaient un peu planqués dans Paris. Et donc, t'as vraiment des gens de ton époque qui ont combattu des monstres et tout avec toi. Donc, c'est vraiment l'élite de ton époque. Et surtout, des gens qui l'ont fait comprendre, ils n'ont rien à perdre, en fait. Eux, ils ont, dans leur tête, c'était cette mission-là qu'ils devaient faire. Donc, eux, dès qu'ils arrivent, avec les canons qu'ils ont, les espèces de pistolets un peu modifiés, vous voyez, qui tirent sur des patapons, et qu'effectivement, les patapons ont un peu de mal à approcher. Il y a quand même quelques patapons qui arrivent et qui arrivent à attraper certains de tes hommes, et vous voyez, qui tirent sur les bras. Donc, il y a des hommes qui se font démembrer, d'autres qui arrivent à trois sur un patapon et qui le canardent, qui sortent des couteaux et qui commencent à les à les chlasser. Et vous êtes au milieu de cette scène. Complètement apocalyptique. Sans plan. On est à côté de la statue. Non, la statue, faut activer la statue. Vous êtes toujours dans le fourgon. Oui, vous avez vu ça. Pète la porte et je me jette sur le teco. La statue, filou. Mais fais la marche arrière, tirons-nous. Moi, je veux bien, mais. Le fourgon, il est mort. Je me jette dehors. Donc, toi, tu les as vus vraiment. T'as vu le fourgon se renverser. Filou. Et tu sais pas s'ils sont vivants. Pour l'instant, t'as juste vu vraiment un faisceau de lave sortir et t'as vu leur fourgonnette se faire pulvériser. Bah, je vais voir s'ils sont vivants. Ok. Donc tu les. Là, tu les vois à l'intérieur, tu vois juste une porte qui se fait péter. Tu les vois en panique à l'intérieur. Alors, moi, je suis devenu Fredo dans la voiture au moment où. Oui. Donc là, il y a encore moins de place. Okay, super. Un peu les trois. Ils sont vus là. C'était pas le moment. Donc, effectivement, toi, tu les vois en train de paniquer dans la fourgonnette, sauf toi qui arrives à sortir. Oui, moi, je sors. Hein. Je sors par la porte, j'explose la porte. J'essaie de mixer. Donc, tu te retrouves face avec l'agent François ici. Putain, François, comment ça va? Et derrière lui, oh, tu lui claques la bise, évidemment. Non, mais François, ça va? Ouais, super. Il faut activer la statue, je te supplie. Oui, mais il faut qu'on sorte du fourgon. Eh bien, sort, je vais essayer. Bah, on peut aider à. Oui, bah, tu les fourgons, oui, effectivement. On va essayer de vous trouver un moyen de sortir du fourgon pour activer cette putain de statue. Faut virer déjà Fredo. Ouais, parce que la porte d'un coup de poing, il n'y a plus de porte. Hein. Bah, okay. Voilà, alors. Fourgon. Ça y est, on sort. Bah, sortez du fourgon. Alors, là, le père de Timothée. C'est peut-être pas une bonne idée de donner le fourgon. Qu'est-ce que t'en penses, Chérie? C'est vrai que le journal, sûr que. Donc vous sortez de la fourgonnette, vous commencez à partir en direction de la statue. Ouais. Vous allez me faire un agir sous pression, tous. Ok. Puisque des patapons vous sautez dessus. Oh waouh! J'ai fait 12. Oh, parfait. 12, 13. Eh bien, 9, 7, 12. J'ai fait 10. Waouh. Ok. Tous ceux qu'on fait au-dessus de 8, en fait, vous arrivez à. Plus ou moins esquiver les patapons. Par moment, vous prenez quand même un coup, donc vous prenez un point de blessure tous. Ok. Tous. En revanche, toi, il y a deux patapons qui vraiment te saisissent, t'attrapent. Et tu sens qu'ils sont en train, entre guillemets, de. Il y en a un qui te tient et l'autre qui se prépare à te mettre vraiment à sauter sur toi, te mettre deux coups de patte. Et que les pattes arrière. Non, pas les pattes. Et je vais juste vérifier un tout petit truc. Toi, tu peux endurer, il me semble, non? T'as pas un truc de. Oui, normalement, moi, je peux prendre un peu dans la gueule, il me semble. Ah non, c'est quand je mets les dégâts. Non, c'est pas. Je crois pas que ce soit celui-là. Ah, c'est ça. Inarrêtable. Vous dépensez des points de chance pour éviter des dégâts imminents. Annulez aussi tous les dégâts que vous avez déjà subis. Et une fois par mystère, quand vous êtes sur le point de subir. Donc, est-ce que tu veux faire ça? Parce que là, tu vas prendre un peu la max. Ouais, bah je vais prendre un point de chance. Et moi, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé de point de chance, donc on y va. Ok. Donc, tu utilises un point de chance et en fait, tu vois que le patapon, vous voyez vraiment, vous étiez en train de courir à la statue. Vous voyez que Johnny se fait attraper par deux patapons. Le patapon se lève et vient lui mettre des coups de patte en l'air. Et en fait, Johnny, toi, vous voyez qu'il gagne, quoi. Il tient et le patapon redescend. Vous voyez qu'il fait une tête un peu surprise. Et il essaie de te mettre un deuxième coup. Moi, je le croque à la jugulaire à ce moment-là. Ok, fais-moi un casser la gueule. Moi, je lui mets un huracan. Allez.
Tac, tac, tac. 7 plus 3, 10. Ok. Bah, tu peux faire les dégâts, s'il te plaît. Dis-moi, c'est quoi les dégâts que t'as avec la... T'as pas de DHT, c'est juste la morsure, je crois. Oui, alors la morsure, moi, ça me donne... Tac, tac, tac. Plus 3 de dégâts. Ok, d'accord. En fait, il y a un patapon, effectivement, que t'as arraché une partie de sa chair. Toi, derrière toi, très cher François, tu vois qu'il y a pas mal de tes hommes qui sont assez bien ordonnés. Il y en a quand même quelques-uns qui sont en train de se faire un peu submerger. Et donc, tu peux potentiellement agir pour leur donner des ordres très précis pendant cette phase de jeu. C'est-à-dire que si vraiment tu veux leur dire de protéger telle personne, d'aller à tel endroit, de faire tel truc, dis-toi que t'as 20 personnes qui, entre guillemets, t'obéissent. Ben, je leur hurle d'entourer la statue pour pouvoir la défendre. Ok, donc les hommes partent. Bon, quand je dis les hommes, il y a aussi quelques femmes hein, dans les agents, évidemment, mais ils se mettent vraiment autour de la statue, vous voyez, qui poussent les patapons. Il y en a quelques-uns qui, malheureusement, dans la course, se font un peu tuer, quoi. Genre, littéralement, se fait péter les jambes un peu. Plus quoi. Deux à la statue. Hein. Et non, très bon ordre. Il y en a quelques-uns, et en fait, vous voyez, quand il y a des patapons qui vont vers la statue, en fait, ils partent des différents moyens, et en fait, ils arrivent à pas les neutraliser, mais à les dégager, en fait, de l'endroit où ils doivent arriver. Pendant ce temps-là, il y a toujours le combat au-dessus qui se déroule au-dessus d'eux, et vraiment, ils sont ultra efficaces. Donc, vous, à force d'avancer, etc., de vous faire un peu défendre, vous arrivez au niveau de la statue. Eh ben, je sors le portable avec la photo pour faire directement la cérémonie. Ok, si donc tu vois En fait, sur la plaque qui explique qui a fait la statue, etc., en fait, il y a des traits un peu en mode un peu cadre. Et par moment, en fait, tu vois que les traits font un autre chemin. Donc, effectivement, tu arrives à comprendre comment ça fonctionne, tu récites ce qui est marqué sur ta photo. Et les statues s'activent. Et les statues te demandent quelles sont la menace. Ouais, y a des indices, hein. Bah, pour eux, après. Ouais. Ouais, mais il faut faire gaffe parce que si on dit les lapins, ça peut être. Bah ouais, ouais. Ouais. Tu vas prendre tarif. Hein. Précise bien. Tu peux dire certains lapins. Les lapins sauf deux. Voilà. En fait, tu peux. En fait, c'est selon la menace que toi t'estimes. Donc, si tu dis les patapons, la statue est assez entre guillemets bien foutue pour comprendre qu'il va falloir. Enfin, que c'est pas tous les patapons, tu vois. Ouais. Not all patapons. En fait, c'est la personne qui active la statue qui va dire bah voilà, la menace c'est ça. Et en fait, elle va comprendre c'est quelle menace dont tu parles. Elle a une acquis de conscience. Ok, d'accord. Bah, les patapons. Ouais. Les mauvais patapons. Les mauvais patapons. Okay. Les mauvais patapons. Et donc tout de suite, les deux lions qui sont sur la statue s'activent. Et vous voyez qu'à un moment, il y avait un patapon qui s'apprêtait à vous sauter dessus, armé. Et le lion vient arriver et lui vraiment le chope en l'air. Puis vous voyez qu'il y a des hommes aussi, toi, qui étaient quasiment en train de se faire submerger. Le deuxième lion arrive et vient les saisir aussi. Et les lions sont en train un peu aussi de se faire submerger. Et par moments, vous voyez qu'ils mettent des coups de patte, etc. La femme au drapeau, elle, en fait, prend le drapeau et en fait l'enlace au-dessus d'une sorte de lance qui lui servait pour tenir le drapeau. Et vous voyez qu'elle saute, et vraiment ce pas lourd du bronze de la statue qui fait un peu vibrer le sol. Et elle vient embrocher des patapons, mais genre 5-6. Wow. Vous voyez qu'elle court comme ça. Pas mal. Le forgeron, quant à lui, en fait, saisit un de ses marteaux Wars, et vient vraiment le lancer en fait sur des patapons. Et vous voyez qu'il court, c'est vraiment un homme assez... qu'on peut peut-être voir sur c'est la statue, tort, je crois. Enfin, celui qui est juste à gauche. Ouais. Et qui court vraiment, et vous voyez qu'il attrape des patapons, c'est un véritable massacre. Et l'autre personnage que vous voyez avec la torche, tout nu. Lui en fait, ce qui a l'air un peu bizarre, c'est que la torche commence à perdre cet aspect de bronze et à devenir véritablement des flammes. Et vous voyez en train de vraiment d'enflammer des patapons. Mmh. Donc vous voyez des patapons qui naturellement résistent un peu aux flammes, mais ces flammes ont l'air de vraiment les déstabiliser. Vous voyez qu'ils courent un peu partout et lui il est pas du tout dans l'objectif de les neutraliser comme les autres statues qui ont été activées. Lui, il est vraiment dans ce truc de... Il arrive un peu à les disperser. C'est qui a la lance? Est-ce qu'il va dire, il faut envoyer la lance, là. Et l'enfant? Alors, l'enfant, lui, pour le coup, quand tu le vois, en fait... Moi, je peux... Il propose d'être avec lui. Alors, il fait un truc un peu bizarre. Il y a même des hommes de notre cher François qui sont un peu... qui n'osent pas trop l'approcher. En fait, il descend, et quand il y a des blessés, en fait, il a l'air de les traîner au sol et de les mettre à l'abri. Ah, sauf qu'en fait, au début, toi, les hommes, ils voient une statue qui l'attrape par les chevilles et qui la tire, et donc vous entendez des cling, 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 ils essaient de placer la statue. Et en fait, au bout d'un moment, toi, en tout cas, les autres n'ont pas compris ça, mais toi, t'as à peu près compris qu'en fait, l'enfant arrive et vient protéger, les met vraiment à l'abri. Okay. En sorte de, voilà, il essaie de les cacher un peu. Là, qui a la lance, là? La lance! Bah, c'est... Alors, la lance, c'est qui vous désirez? Parce que oui, pas moi, je peux pas.
compliqué. Bah, moi, je suis déjà transformé, donc moi, je touche pas là. Je l'avais dans ma poche, voilà. Pilou, envoie la lance. J'ai tous les trucs. Alors, tu, il faut que tu nous envoies la lance pour que tu la récupères. Moi, je vais changer d'arme. Est-ce que je peux attraper le reste du fourgon qui nous reste et essayer de le balancer sur Famine? Fais-moi casser la gueule. C'est ma manœuvre, du coup, le truc. Je m'en occupe, là, tous les patapons, mon pote. Alors, 6, 7, 8... 9, 10, 11. 11, ok. Ouais. 11, je crois que ça fait des dégâts colossaux, il me semble. C'est sur un 10+, choisis 16 en 2, vous... Enfin, après avoir infligé des dégâts avec un j'ai cassé la gueule, lancez 2D plus dégâts infligés par votre arme. Sur un 10, choisissez en 2, vous blessez quelqu'un à proximité en plus de votre cible, vous faites empirer la situation d'une façon ou d'une autre, vous perdez le contrôle de votre arme improvisée, vous provoquez d'immenses dégâts collatéraux ou votre arme improvisée. Tu dois en choisir 2 dans cette liste. Bien, je vais faire d'immenses dégâts collatéraux et désolé pour ton papa, mais l'arme improvisée va se casser. Bah, super. C'est quelque part dans une petite villa. C'est peut-être une vraiment mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Hein, ça, il a assuré notre fourgon. Ouais. Donc, vous voyez donc. Pompon saisir la fourgonnette. Donc toi, tu vois la fourgonnette partir en l'air. Et dans les dégâts collatéraux, en fait, t'emportes. Dans la manœuvre, en fait, t'emportes aussi Conquête. Il se prend de plein fouet, en fait, le fourgon. Et en fait, pendant un moment, le fourgon vient rouler sur les deux patapons. Et ça vient aussi, entre guillemets, endommager d'autres patapons qui sont... vraiment, la fourgonnette roule. Au bout d'un moment, explose sur une des maisons haussmanniennes. Tu vois qu'à l'intérieur, il y avait des gens aussi dans la maison haussmannienne qui étaient visiblement cachés. La fourgonnette commence à s'enflammer dans la maison, t'entends des cris d'horreur dans la maison. Ah, et il y a quelques hommes de François qui, eux, ont... Il y en a un qui a réussi à esquiver le truc, malheureusement, il y en a trois qui ont été emportés dans le... J'en ai plus beaucoup. Là, il n'y avait qu'un avion, le mec. Là, il t'en reste 12. Il en reste 12 combatifs. Donc combatifs, ça veut dire qu'ils ne sont pas blessés. Famine est un peu stun. Bah là, tu sais pas trop, mais il y a un incendie quelque part et il y a deux patapons qui sont derrière la fourgonnette. Non, Famine. Sympathique. Ouais, on le mangera après. J'appelle moi Aldo Fraîche. J'aimerais bien avoir la corne d'abondance. Comment tu veux appeler Aldo Fraîche? Bon, au téléphone. Normalement, j'ai tonton qui a son contact. Oui, c'est bon, j'ai fini avec mon portable, de toute façon, je te file. Je récupère le téléphone et je contacte le numéro d'Aldo Fraîche. Lance-moi un dé. Si, les deux dés, pardon. Si tu fais au-dessus de 10, 10, 11 ou 12, il répond. Ouais. J'ai un point de chance, hein. Bah. Tu peux, hein. Tu peux. Je prends mon point de chance. Ok. Il répond. Ouais. Et il a l'air de dire que lui, il est surtout planqué. Chez lui. Tu peux sauver le monde. Vraiment, on a besoin de toi. Fais-moi un petit manipuler quelqu'un alors dans ce cas. Ça l'intéresse pas, je crois. Bon, il a pas bien. Alors, j'ai 8, 9, 10, 10. Okay. 10 ? Ok. Il y a un moment de... silence, malgré le bordel ambiant, en fait, tu t'es vraiment mis dans un petit coin. Oui, allô, alors. Et autour de toi, c'est genre le chaos, quoi. Il y a rien pendant un moment. Tu penses même, tu regardes le téléphone pour voir s'il a pas raccroché. Et en fait, tu remets ton oreille au niveau, enfin ton téléphone au niveau de l'oreille, et t'entends un. Ok, j'arrive. Ouais. Okay. Très bien. Et pendant tout ce combat, en fait, lui, il mettra un peu de temps à arriver. Ok. Ah oui, tu m'étonnes. Mais il va arriver dans, on va dire. Une vingtaine de minutes, à peu près. Ok. Moi, je suis en full boucherie avec tous les lapins que je vois, parce que finalement, Fredo, sa grande passion, c'est de bouffer du lapin, quoi. Et à un moment donné, quand même, il se retourne vers sûrement Filou, en lui demandant « Mais qu'est-ce que foutent les magiciennes ?» Et là, je continue ma boucherie pendant ce temps-là. Alors, les magiciennes, ce que toi, tu le vois pas tout de suite, même tu le vois pas du tout. D'ailleurs, tu vas me faire un casser la gueule aussi. Oui. Et vous, vous allez me faire un enquêter sur un mystère, tiens. Ok. 9. De toi aussi, tu peux le faire. Tout le monde. Ok. On va dire. 9. Alors, 9, t'arrives à bien te défendre. 9 plus 1. Malgré tout, il y a quand même beaucoup de patapons qui te mettent des coups. Donc, tu prends 2 points de blessure en cumulé sur tous les. Vous avez fait combien sur enquêter sur un mystère? 5. 10. 5. 7. 8. 8. Ça fait combien, toi? 8. 8. Moi, je n'ai pas enquêté sur le mystère. Non, non. Donc, il y a eu 2 8, c'est ça, au maximum. Il y a eu un 10. Il y a eu un 10. C'est qui a fait 10? C'est moi. C'est toi? Vous, avec le 8, en fait, vous prenez pas trop conscience de ce qui se passe autour. Ouais. Toi, en fait, vu que t'es un peu en retrait, enfin, t'es toujours près de la statue, mais tu vois un peu plus globalement ce qui se passe. En fait, tu constates qu'il y a des patapons qui essayent de sortir de la place Nation. Et en fait, il y a comme un champ de force qui a l'air de les empêcher de passer. Et en fait, par moments, t'arrives à voir qu'effectivement, il y a des femmes qui sont dans les rues adjacentes à la place, qui ont l'air de faire des choses avec leurs mains. Ça te dépasse les un sorcières. Peu.
et elles ont l'air de contenir ce qui a l'air de se passer à la place de la nation. Bien. Nice. Donc, moi, j'ai la lance aussi, je commence à tester un peu là, puisqu'il m'a affilé la lance. Je commence à tester la lance pour voir à quel point elle fonctionne sur les patates. Ok, fais-moi un casser la gueule. Je tabasse. Tu le fais avec, avec avantage, s'il te plaît. Donc tu lances deux fois les dés, tu prends le meilleur résultat. Bon, ouais, si c'est toi qui est, si c'est bien, ça. A la lance, 7 plus 3, 10. 10. Et moi j'ai un truc en plus, j'ai un finish him. Hein. C'est genre quand j'inflige des dégâts, si c'est trop ou plus, je peux enchaîner avec une autre attaque. Bah tu peux enchaîner, vas-y. Mais Gigi, si t'as la lance, bois la boisson qui donne des plus 3, plus 2, plus 1 sur tous tes lancers. Bah là ouais, ça va. Faut que ça se dise, c'est vrai que c'est la fin les gars. J'utilise fin. Holy moly, man. Ah oui, là, c'est le moment, bien. C'est le moment. Là, donc en effet, là pendant toute la période, jusqu'à temps que l'ami Aldo Fresh arrive, wow. Vous voyez vraiment Johnny. Mais alors, wow, ce que fait la Holy Molly, c'est que ça renforce ton corps vraiment, alors physiquement, tu vois, même les yeux, t'as la vue plus perçante. Il y a même des moments où il y a même des mouvements un peu de Johnny où il est vraiment vif, quoi, il y a vraiment ce truc un peu surhumain. Allez, gars. Et donc t'arrives à empaler des patapons, à les découper, tu passes un peu partout. J'active l'item, super vitesse, j'ai la totale. C'est vraiment assez impressionnant à voir pour le coup. Mais attends, mais oui, t'es... Ah oui, là, il est... Bah, c'est ce que j'ai dit, bah, de guerre. Je vous ai laissé faire. Maintenant, je commence à... Là, j'ai super vitesse, je dégomme tout le monde. Ouais, je pense qu'il n'y a que Famine et tout qui peuvent un peu... Aldo Fresh lui arrive au bout d'effectivement 20 minutes. Il arrive vers vous. Et il est en tenue, une sorte de tenue un peu étrange, un peu de... Comment dire? Pas de chevalier, mais on n'est pas loin. Il a vraiment une armure, une armure un peu ancienne. Le mec, il revient d'une convention, tu sais. Et c'est une armure qui, quand vous la voyez, elle est assez impressionnante parce qu'elle est couverte de runes. Il y a vraiment des runes absolument partout. D'ailleurs, en parlant aussi d'autres personnes qui arrivent, il y a aussi les gens que vous aviez engagés au bouton qui saute, qui arrivent. Il y en a quelques-uns, vous voyez que c'est vraiment un combat. Faut presser les mecs. Globalement, en termes de combat, il y a peut-être 4 patapons pour un humain. Enfin, c'est vraiment... Et les gens se défendent vraiment, pour le coup, extrêmement bien. Donc lui, il arrive. Il est dans cette armure, il se met dans ta direction. Il y a un patapon qui est arrivé pour l'attraper, pour lui mettre un coup, peut-être même toi, te porter un coup. Ouais. Et tu vois en fait qu'avec son gantelet qui se met à briller, il attrape le patapon, il vient l'écraser en fait sur le sol. Vraiment, le crâne du patapon se met à exploser au sol. Et le gant se met un peu à fumer. Okay. Il y a des sortes de petites cartouches qui sortent un peu de l'armure. Il y a des petits trucs de vapeur qui sortent un peu partout, mais le gantelet a l'air d'avoir fait quelque chose qui t'échappe. Ok. Et il demande... Pourquoi vous m'avez appelé? Il y a un truc que je peux vous aider. Enfin, en quoi je peux vous aider autre que... Écoutez, j'ai une théorie. On a un patapon qui s'appelle Famine. Je me dis, une opposition au camp d'abondance. Il y a moyen que vous puissiez faire quelque chose pour nous. Bah, montrez-moi où il est. Il est... il est où? Bah, toi, t'as juste vu se prendre une fourgonnette. Dans et l'immeuble, là-bas. Ça va être un peu quoi. Ouais. Tiens, mon père. C'est ça. Justement, allez là-bas. Vous voyez la fourgonnette, la magnifique fourgonnette. Donc lui, il se met à courir. Et en fait, il y a un moment, il aide même un peu les gens sur le trajet. Wow, et par contre, au moment où il arrive au niveau de la fourgonnette, ouais. Tu vois qu'effectivement, il sort la corne d'abondance. Il a l'air de fouiller un peu, de chercher quelque chose. Et il y a un moment, tu entends une bourrasque nette, précise, vraiment un filet d'air qui passe, noir, tu vois juste un trait noir. Et tu vois juste Aldo Fresh, son tronc en fait, vient se décaler. Oh. Et il tombe au sol. Et il y a un patapon qui arrive, que vous reconnaissez comme étant mon ref, avec cet immense peau. Ah bah oui. Et vous voyez qu'il passe, et il fait vraiment des mouvements comme ça avec ses mains. Et vous voyez des corps, des personnes... Les gens que vous avez recrutés, toi, il y a quelques-uns de tes hommes qui tombent. Il y a. JP, il est venu en avion comme ça. Et il est venu comme ça sur toi. Il y a des gars qui. Il y a encore des gars qui restent, mais globalement, en fait, tout ce qui se trouve sur son chemin, vous voyez que ça se fait découper, que ça meurt quasiment instantanément. Et il a l'air de plutôt regarder dans la direction de là où il y a famine et conquête. Et en fait, la fourgonnette se met à exploser. Vraiment, il vient quelque chose qui le pousse la fourgonnette. Et Famine attrape la corne d'abondance. Oh. Et vous voyez qu'il, pour le coup, il fait un peu comme ce qu'a fait Conquête juste avant, il aspire. Et en fait, ça a l'air d'être infini. Genre, il a l'air de plus bouger, il est omnubilé par ce truc. Vous voyez qu'il se met en boule et il a l'air de dévorer, sauf que la corne d'abondance est en permanence. Et donc, il est complètement omnubilé. Et pendant ce temps-là, il y a Conquête qui arrive derrière lui. Vous voyez juste sortir des flammes un immense patapon qui prend son épée et qui vient la planter vraiment dans le cou de Famine au moment qu'il était en train de dévorer la corne d'abondance. Vous entendez juste un... Il tire comme ça. Il vient de tourner cet immense espadon. Et le corps de Famine tombe toujours avec la corne d'abondance dans les mains.
Pas loin du corps d'Aldo Fresh d'ailleurs, vous voyez que le champion. Champion, bien joué. Champion Timothée, il a pas 160 de QI pour rien, c'est ça. Alors, mon cher François, tu vas pas me faire un évaluer une situation qui craint. Bah François, il est là, il fait merde, c'est mes mecs. Ah François, t'as deux mecs qui meurent. Oh putain, en français, il vient de faire le jet de sa vie en plus. C'est vrai. Évaluer une situation qui craint. Bon, c'est un petit 4 là. Oh vraiment. Ouais, évalue au max, hein. Est-ce que tu veux utiliser un point de chance ou pas? Ouais, bah oui. Comme tu veux, hein. T'es pas obligé, hein. Ça va pas niquer la narration, mais en gros, tu as l'air de reconnaître le patapon qui approche de toi. C'est effectivement eux qui l'ont appelé mon ref. Toi, à l'époque, tu l'appelais peut-être même l'agent P, qui t'avait aidé. Tu vois, il est un peu, il est différent, mais dans le regard, tu vois que c'est lui. Et surtout, tu sais qu'il est assez puissant. Il est un peu différent. Et là, tu vois qu'il t'a repéré. Et tu vois qu'il y a un truc où il a l'air d'ignorer même les gens autour. Et il arrive vraiment pour dans ta direction. J'utilise un brouillard mental. Ok, tu peux me décrire le brouillard mental ? Brouillard mental qui va le rendre confus et qui va lui faire perdre son focus. Ok. Est-ce qu'il y a un jet de dé que tu as à faire ou pas ? Il y a marqué que c'est en zone, c'est AP et que c'est proche. Ok, tu peux me décrire comment tu veux faire ce brouillard ? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu fais le brouillard ? Comment tu le décrirais ? Je le regarde droit dans les yeux puisqu'il me regarde et qu'il est concentré sur moi et je tape fort dans mes mains comme ça pour faire venir le brouillard. Ah, tu fais pas l'appel de l'amitié en mode PÉDANT. Donc en fait, effectivement, il y a une énorme détonation. Vous voyez que l'onde vient de François, de ses avant-bras. Et il y a vraiment, pendant un moment, il y a mon ref mort qui a l'air d'être stun. En fait, vous voyez que ça disperse même sa faux. Que l'onde, le brouillard vient disperser un peu sa faux. Il y a vraiment un moment où mort est complètement debout au milieu du champ de bataille. Et globalement aussi, les gens qui étaient dans la zone, malheureusement, eux aussi sont complètement tombés au sol. Il n'y a que lui qui est parfaitement droit. Okay. Et on va pouvoir lancer le vote ouvert numéro 3. Tiens, j'allais dire, j'en profite. Ah, tu peux faire quelque chose, voudrais... J'aurais voulu en profiter s'il était un peu stun. Là, il est complètement stun. Bah, j'ai la lance, je suis sous Oli, j'ai la super vitesse. C'est parti. Je tente de lui découper sa mère. Bah, fais-moi un casser la gueule. Bien sûr. Super. Je suis sous Oli, donc j'ai plus 3. Allez. Dis-moi que t'as assez le jeu de ta vie. Ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. Wouh oui. Je crois que c'est le record de la saison. 14, on n'a pas fait juste regarder pour le vote du Uber. 2% de mes capacités. Tu viens donc le lacérer à plusieurs reprises avec la Oli. Ouais. Et en fait, lui, il est toujours un peu stun. L'oreille interne. Et il y a un moment où, effectivement, il commence à... La jugulaire. Tu vois, il commence à regarder un peu. Tu l'as vraiment perforé de part en part. En fait, il se détourne un peu pas du combat de regard non plus, on n'en est pas là, mais tu l'as vraiment stun à un moment donné sur toi. Tu vois que sa tête se tourne, il te regarde, tu vois qu'il regarde un peu l'espèce de sang, un peu pétrole qui lui sort des blessures que tu viens de lui faire. Tu vois qu'il t'attrape par le cou. Pardon. Et il est en train de te... Il peut pas m'attraper, parce que... Il est en train de te... et pendant ce temps-là, tu continues à le lacérer. Tu vois qu'il souffre, mais qu'il arrive à tenir... à tenir bon. Je veux charger. Tu peux me faire un agir sous pression, s'il te plaît. Je voudrais charger dans la direction et utiliser le bracelet pour défendre. On va juste voir ça. Il y aura une à faire un moment. On va peut-être additionner 2-3 trucs. Ouais. C'est quoi agir sous pression ? Ouais. Je suis toujours sous Oli là. Oui. Le truc, c'est que j'ai là, c'est ton troisième jet, parce que t'avais le premier jet en Oli. Ouais. Donc là, t'es en plus 1. Plus 1. Ça fait 3, 4, 5, 6. Ah, t'es pas en Oli, t'es en Oli Moli, parce que là, Oli, c'est un chien. Oli Moli. 3, 4, 5, 6, plus agir sous pression, 7. Ok. Tu vas prendre 2 points de blessure malgré tout. Non. Bon, je le compte, hein, si tu veux. Ok. J'ai double. Et en fait, vraiment, en fait, il te serre la gorge. Et au bout d'un moment, toi, tu viens foncer vers lui. Tu peux me faire un protéger quelqu'un. Oui. Papa. 11. 11, ok. Ouais. Donc, tu te diriges vers lui. Tu le pousses. En fait, tu pousses plus le bras de mort. Qui vient décaler et faire tomber Johnny, tu donc actives le bracelet. Alors le bracelet, effectivement, ça fait un champ de force protection. Qui est littéralement vraiment impénétrable. C'est-à-dire que personne ne pourra sortir pendant les prochaines minutes ou même entrer. Donc il y a toi, Johnny et mort dans le même endroit. Oh bah super. T'inquiète, je vais super vite. Oh là là. Et en fait, au moment où le dôme était en train de se former, juste avant que le dôme se forme vraiment à partir de la base pour aller jusqu'au sommet, en fait, il y a quelque chose qui arrive du ciel. Un truc... colis stratégique. T'arrives pas trop, vous n'arrivez pas trop à voir ce que c'est. Toi, il y a un moment, tu l'as aperçu, elle est vraiment très vite. Il y a quelque chose qui est rentré dans le dôme avec vous.
et l'impact au sol a fait assez de fumée pour pas que vous voyez ce qui se passe. Et vous voyez juste le dôme qui est couvert de brouillard. Enfin, vraiment, il y a une boule entièrement, vous voyez vraiment que dalle. Ouais. Et par moments, vous voyez juste des flashs. Vous entendez des tirs comme des coups de fusil à pompe. Un peu partout. Vous voyez des balles qui ricochent partout. Et la fumée dissipe un peu, le dôme laisse passer un tout petit peu de fumée. Et vous voyez un homme masqué avec un casque de lapin. Dans un costard un peu modifié. Vous voyez très vite que le costard a l'air extrêmement solide. Et vous voyez qu'il est face à la mort, qui vous regarde tous les deux. Il a deux espèces de canons sciés en fait, dans les mains, qui vient lâcher. Il enlève sa veste et vous voyez que derrière, il a des espèces de lames avec des canons en fait, sur les côtés. Et il a l'air de tirer un peu sur mort. Et vous voyez qu'il est en train d'omnibiler les morts. Et il est en train de tirer absolument partout sur mort. Le sashimi, quoi. Vas-y. Vous, pendant ce temps-là, il y a Conquête qui, lui, est toujours en train de partir un peu partout. Et Conquête, malheureusement, a l'air de, à un moment, ploire le genou. Et vous voyez qu'il y a plein d'autres patapons qui lui foncent dessus. Et vous voyez qu'il est en train de se faire complètement submerger par les patapons. Ok. Je sors mon magnum. Vas-y. Ok. Et du coup, j'essaie d'aligner tous les patapons qui... Bah, fais-moi casser la gueule. Je leur fais péter le champagne. Le magnum. Magnum. Est-ce que je peux sommer l'ambre statue en attendant d'aller protéger justement Patapon? Oui, de protéger Conquête. Ok, Conquête, on va faire ça en même temps. Okay. Vas-y. 7 plus 2, du coup 9. Ok, et ça fait combien de dégâts les Magnum? 3, je crois. Attends, je te redis. Magnum, 3 dégâts, proche, bruyant. Ok, donc vraiment, vous entendez, ouais, tu tires avec ce flingue, ça détonne. C'est assez puissant, ton Magnum. Et donc, il y a quelques Patapons que tu arrives à, pas à tuer, mais à les affaiblir assez pour que Conquête arrive à se dégager un petit peu. Toi, il y a les statues qui directement se tournent, alors qu'il y en a certaines qui avaient les lions, par exemple, étaient en train de mâchouiller des patapons, ils étaient tout en train de faire un truc. Et en fait, elles commencent toutes à courir en direction de Conquête. Et il y a ce petit enfant, cette statuette, enfin, cette statuette, c'est un truc quand même assez grand, qui vient saisir par les chevilles Conquête et qui vient le tirer, en fait, de la mêlée. En fait, quand il tire Conquête, vous voyez que Conquête est couvert de blessures, il a une oreille coupée, il a le visage à moitié dévoré, il est complètement... Mais il arrive à le sortir et à le dégager d'ici. Vous allez pouvoir me faire tous un agir sous pression juste avant. Ok. Mais est-ce que tu voulais faire quelque chose de particulier? Oui, étant donné que je suis pas forcément très loin de Conquête. Ça va se régaler. Ni une ni deux, voyant la situation, je prends ma fiole délicatement où il y avait la goutte qu'on a gagnée. Ouais. Et je la donne à Conquête. Ok, donc t'attends qu'il le ramène et voilà, puis... Exactement. Okay. Ou alors je la lance plutôt à tout le monde. Je pense que moi, vraiment, balance, il a pas de cannelle, ça. Quand il prend la gueule, il fait « Tu votais !» Fais-moi un agir sous pression. Faites-moi tous les deux un agir sous pression. Oh putain, faut pas qu'elle tombe. Elle va couper, on va se casser. J'ai fait 10. J'ai fait agir sous pression 8. Je suis son petit poney, je récupère au vol. Alors c'est plus petit poney, effectivement, qui va aider à réceptionner parce que le lancer est désastreux. En fait, désastreux dans le sens où il a pris le truc et il a dit ouais, c'est léger, et en fait, le truc est parti à une vitesse. C'est pas mal. Donc, toi, t'arrives effectivement à dégager aussi pas mal de patapons. Qui a fait moins de 8 sur le agir sous pression? Moi, j'ai fait 7. Alors, vous, malheureusement, 7, ouais. Toi, c'est à part. Vous êtes dans le dôme. Vous, en fait, il y a des moments, il y a vraiment des patapons qui arrivent vers vous. Toi, il y a pas mal de tes hommes qui défendent la position, qui te défendent, donc vous arrivez à tenir. Tu prends quand même 2 points de dégâts dans la mêlée. Et toi, Timothée, en fait, vu que t'es un peu sans défense, il y a quand même Petit Poney qui est là, t'as la goutte. Ouais. Et en fait, Petit Poney, lui, il vient pour te défendre. Ouais. Et malheureusement, il y a 2 patapons qui arrivent vers lui. Et tu vois que les patapons viennent plonger leurs pattes dans le ventre de Petit Poney. Et avec les autres pattes arrière, ils viennent tirer. En fait, tu constates que Petit Poney, il y a une partie de lui qui n'est pas vraiment animal, dirons-nous. Il est blindé de câbles, en fait, de câbles électriques, des circuits. Il est en train de l'ouvrir. Il y a juste la tête de Petit Poney avec la pupille qui est juste devant toi. Et les patapons commencent à s'approcher avec un espèce de regard carnassier tout doucement dans ta direction. J'utilise mon orbe immédiatement. Ok. Dans ton orbe, la zone que tu vois dans les choses potentielles qui peuvent arriver, 90% des choses que tu vois, c'est ta mort, clairement. Ah. Il y a juste un truc qui a l'air un peu... Une toute petite probabilité. La seule probabilité que tu vois, c'est que la tête de Petit Poney explose. En fait, tu vois qu'il y a une sorte de petit dispositif que tu remarques à l'intérieur. Et ça, ça va te blesser fortement, mais te sauver la mise. Wow, ouais. Mourir ou blesser? Faire mourir ou... Et rien d'autre? Après, il y a
pléthore de possibilités, mais en fait, c'est dans le temps que t'as. Ouais. T'arrives pas à déterminer si ces trucs-là vont vraiment t'aider. J'appuie sur... Enfin, je sais pas si je dois faire rentrer ma main dans la tête de Petit Poney ou si je dois appuyer sur un bouton, mais je le fais. Fais-moi un agir sous pression, s'il te plaît. Pour les autres, toi, donc, t'as déjà pris... Ou j'espère que t'as des points de chance. Bah, j'ai 3, du coup. Enfin, c'est 3. Quoi ? T'as pas de points de chance ? Bah, j'en ai combien de points de chance parce que j'en ai utilisé un. Bah, tu as pas noté. T'as une jauge, faut que tu notes. Merde. Derrière, en fait, t'as un truc. Il m'en reste 3 avant la poisse subtile. Il m'en reste 12 000. J'en ai pas. Attends. Quoi, t'as la veste. Si vous voulez, c'est là. Ouais. J'en avais déjà utilisé, mais. J'en ai encore. Bon, ok. Du coup. Oui, j'utilise un point de chance, hein, clairement. La déflagration est telle que t'es quand même propulsé. Okay. En dehors quasiment du combat, hein. Vraiment ton corps se fait propulsé. Tu tombes dans un des nombreux buissons du petit parc de Nation. Okay. Mais malheureusement, tu seras inconscient. Ok. Pendant ce temps-là, vous, le dôme oui. commence à un peu faiblir, vous voyez, qui commence à un peu se détacher. Donc vous êtes en train de, ouais. vous êtes en train de faire complètement votre combat. Et à un moment donné, et il y a un moment où Mort, en fait, te met une baffe, vraiment te décale. Un peu par. Ça se voit qu'il a, entre guillemets, il a vu plein de fois que tu étais en train de le schlasse, et qu'à un moment, il a tenté. Et qu'il a eu un peu de chance et qu'il t'a touché. Il est immortel ou quoi le bug ? Oui, parce qu'attends, il a combien de rouges ? J'ai la lance à les patapons en rapidité et en full speed. Holy moly ! Sous holy moly ! Holy moly ! Putain de mort ! Il arrive à ressaisir une partie de sa foule, vous voyez qu'elle n'est pas complète. Et en fait, il y a toujours cet individu avec vous qui est en train également de combattre. Ouais. Et en fait, cet individu, au bout d'un moment, Mort arrive, saisit sa foule et met juste un coup. Vous entendez ce petit, comme un coup de fouet en fait dans l'air. Et vous voyez le masque en fait qui est juste touché et une énorme balafre qui vient vraiment qui vient d'être touché à la tête. Le visage, pour toi, tu sembles un peu le reconnaître. Ça a l'air d'être le visage de Serge, mais bien déformé avec des tubes partout dans le nez, etc. What the fuck ? Et qui est propulsé contre la barrière, le dôme que tu viens de créer et qui tombe complètement inconscient avec le crâne. Tu vois qu'il a été frappé et que le corps glisse sur le dôme. Et sans préparer une attaque dans votre direction, vous allez pouvoir me faire tous les deux un agir sous pression. Qu'est-ce que tu veux faire, mon Philippe ? Est-ce que je suis dans le coup ? Est-ce que je suis... Bah toi, t'es à l'extérieur, tu viens, là, tu viens littéralement de voir toute la scène. Agir sous pression ? Ouais. 14, monsieur. Il y a juste Conquête que vous avez réussi à remettre sur pied, qui reste avec vous. Et tu l'as déjà filé la goutte et tout. T'as fait combien ? J'ai filé la goutte, ouais. Moi, j'ai fait 6. 6, et toi ? 14. Bah moi, je me suis fait attaquer, donc je sais pas. Bah, il était pas loin de Philibert, donc après... De mon côté, je vais courir vers Timothée, forcément, pour... Okay. Pas pour l'aider, mais pour récupérer la goutte. Alors... Merci d'entendre. Alors, effectivement, c'est toujours Timothée qui a la goutte, et... Elle a... Timothée a miraculeusement un peu survécu à ce qui vient de se produire. Ouais. Je fais t'inquiète, mais là, c'est la fin du monde. Bon, bah, il est inconscient, donc... oui, moi, je parle pas... D'ailleurs, la goutte, tu vas la donner à ton jeu, tu vas la donner à... Alors, à Conquête. Il y en a un qui est plus utile en contre l'autre. Ah, la famille avant tout, lol. La famille en avant. Oh là là. Bah, je suis pas conscient, mais. Tu vas faire quoi ? Tu vas te battre contre la mort ? Non. Évidemment, je donne à Conquête. Ok, je donne à Conquête. Conquête lui directement qu'il part en direction du dôme. Et vous entendez des gros boum, boum. Mais vous, ça, le son est un peu déformé. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, vous êtes vraiment dans une bulle. Et en fait, toi, tu vois que Mort fait un coup que t'as vu. Enfin, mon ref a fait un. Fait un coup que t'as vu mille fois quand vous êtes déjà battus ensemble. En fait, toi, t'as le réflexe de l'esquiver, sauf que tu vois que derrière, il y a Johnny. Mmh. Et Johnny, tu vas pouvoir me cocher la case instable et il te reste une case avant mourant. Ah, tu es couvert de lacérations. On aurait peut-être gardé la goutte. Et il y a un truc un peu particulier, tu commences à... Une case avant mourant. Tu perds l'équilibre. Et je suis mort avant. Ouais, c'est ça. Okay. Tu perds l'équilibre. Tu sembles perdre l'équilibre puisque il y a quelque chose qui a disparu de ton corps. Oh non. Tu viens de perdre une jambe. Fuck ! Et donc tu tombes, tu tombes au sol et le dôme lui se désactive. Est-ce que je peux essayer ? Et donc là maintenant vous voyez tout cette scène où Johnny est au sol, il y a l'homme qui est tombé que vous avez à peine vu tomber et qui est, voilà, il y a que non Johnny. Patapon. Enfin, pompon, pardon. Tu peux choisir la jambe que j'ai perdue. Comme tu veux. La jambe gauche, ça va mieux. Est-ce que je peux essayer, avec ma grosse épée, de lui trancher les mains ? Tu peux, vas-y, fais-moi un casser la gueule. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tu... Effectivement, tu lui tranches les mains.
tu lui tranches les mains c'est tranché dans le sens vraiment, on n'est pas sur de la finesse. Oh non, c'est vraiment, ça a explosé. Je te préfère avec tes deux jambes là. Et en fait, au bout d'un moment, tu vois que les, toute cette petite substance noirâtre qu'il avait sur lui commence à disparaître. Okay. Il a toujours un regard de, à la fois calme et à la fois très haineux envers toi. Et il commence à poir un genou et à baisser sa tête en mode il a l'air de rendre. Ah, il surrender enfin. Il a l'air de rendre son dernier souffle. Et moi, dans un baroud d'honneur, je saisis ma lance. Et je jette à la gueule. Ça va. Ça fait moins casser la gueule, vas-y. Hey, j'ai plus qu'une jambe, je suis par terre, je. Pouf, et pour ce dernier lancé, c'est tout simplement 12 plus 3. Oh. C'est 15. Wow, et il met les rangs. Donc effectivement, la lance vient. Comment tu veux tuer la mort? Je veux littéralement lui enfoncer la lance dans la tête. Okay. Comme il est un peu, tu vois, il a un genou à terre, je veux vraiment le transpercer au niveau du crâne. Donc là, tu vois la scène, vous voyez tous la scène de la lance. On a beaucoup de pitié pour mon ref, c'est vraiment... Ouais, il est assez dégueu. Il a perdu une jambe. Le corps tombe, et toi, en fait, il y a des patapons qui s'apprêtaient à te sauter dessus. Il y a un patapon qui avait même pris un bout de la pierre du socle de la statue pour, littéralement, pour te le mettre dans le crâne. En fait, au dernier moment, il a juste lâché la pierre, et vous voyez tous les patapons qui se retourne dans ta direction et dans la direction de Conquête et qui semble ploire le genou. Ah. Et ils font tous des petits claquements dedans pour ceux qui restent. Il y en a encore quelques-uns même qui sortent, hein, encore des terriers et qui ont automatiquement ce réflexe de sortir et de se baisser. Alors vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais ils ont l'air de se rendre et de demander est-ce que l'on reste ici ou est-ce qu'on repart chez nous. Repartez. Je continue à... Non, non. Ah bah c'est les mêmes à genoux, je m'en vais. Moi je suis dans une folie meurtrière, je déchique tout ce qui passe. Genou pas genou, ça déglingue. Alors moi pendant ce temps-là, vu qu'il est blessé, je check en courant vers Johnny en disant chef, chef. Et je regarde si j'ai une trousse de soins pour lui. Tu peux me faire un protégé. Pierre François. Merci beaucoup. Mais moi, je suis un peu sonné. Je... François. C'est un petit pansement sur la plaie béante. Je suis à 8. Sur le 8, t'as pas de quoi le, t'as pas de quoi le stabiliser, donc tu pourras enlever instable et tu pourras pas le guérir. C'est-à-dire que tu vas le stabiliser. Je suis plus instable. Moi je l'ai rejoint et je lui fais un garrot avec ma ceinture. En disant t'inquiète. Fais-moi protéger quelqu'un aussi. Est-ce que ton froc. Non, pas lui, pas lui. Alors, j'ai vu des tutos sur YouTube. Non, non, les gars. Et j'en ai plus 4, plus 4, et c'est du. Protéger quelqu'un, donc protéger quelqu'un, je ne sais plus. J'ai rien du tout. C'est coriace. La gueule. Coriace. Donc, bah, 0. Bah, ça fait 8. En fait, toi, t'es convaincu d'avoir fait quelque chose, mais en fait, là, toi, tu vois, en fait, tu l'as attends, déjà fait. Je retire la ceinture, je perds mon pantalon en même temps. Ah, la place de la nation parmi les cadavres, que le cul a l'air. Et donc, tous les patapons, en fait, attendent vos ordres à toi et Conquête. C'est... Et tu vois, Conquête, lui, il a un petit doute. Il dit, mais en vrai, ça pourrait être notre terre ici. Non, cette terre n'est pas à conquérir. Rentrez tous. Ceci est la terre de nos amis. Rentrez ici. Fais-moi manipuler quelqu'un, s'il te plaît. Et la Conquête qui... Moi, j'ai des flèches. J'ai dit non. J'ai plus de lance. Tu grignotes. 6. Je grignote. Plus de jambes non plus. Visuellement, ce que vous voyez, c'est qu'il y a des patapons qui sont derrière Pompon et qui repartent. Et lui, Conquête, il n'a pas l'air de vouloir repartir. Et ce qu'il dit, c'est, bah, part avec eux dans notre monde. Moi, je vais rester ici. Mais si tu promets de ne pas revenir, je protégerai. Pourquoi tu partirais pas, Conquête? J'ai vécu ici. Ce sont les miens ici. Tu es juste venu en stage ici. Repars avec eux. Qu'est-ce qu'un stage? Il s'appelle Conquête. Oui, je m'appelle Guerre, ok. On lui a sauvé la vie. Oui, bah, on t'a sauvé la... Déjà, c'est vrai, on t'a sauvé la vie. Il vient prendre la putain de goutte, le bâtard. Il a vu prendre la goutte. Moi, il manque une jambe, l'autre, à l'estal. C'est mes ordres. Et ne discute pas. Repars avec eux, Conquête. Gère-les. Mais ce monde doit rester. Un petit manipuler quelqu'un. Je vais juste vérifier, moi aussi, de mon côté, un truc. 7, 8. Ah, j'ai pas. 7. 7 ? Ouais. T'inquiète. Ça fait mal. Regarde. Pour le dernier choix de la saison. Tu auras le choix. Ah. Il veut bien repartir à condition que tu l'accompagnes, avec tous les patapons, ou il décide d'attaquer, de vous attaquer. En gros, de t'attaquer toi et de rester ici. Ou alors, vous restez tous les deux et vous gérez les humains ici. Vous faites des
Écoute, je pense qu'il y a un monde qu'il va falloir explorer et que Pompon va repartir avec conquête chez les Patapons. Très bien. Donc, vous voyez Pompon avec une armée de Patapons repartir dans des immenses terriers. Et Conquête lui part, effectivement, et il t'attend à l'un des plus gros terriers, en fait, qui a été créé. Et il t'attend à la sortie de ce plan, enfin du vôtre, et à l'entrée d'un autre plan. Et il t'attend, et je te laisse dire un dernier mot à ces humains, et je t'attends pour repartir. Mes amis, ça a été un véritable plaisir de faire ces aventures avec vous. Vous tous, sauf un, mais bon, je préciserai pas qui. Julie ? Non, on va respecter Johnny qui a quand même perdu une jambe dans cette aventure, mais qui n'a rien perdu d'autre que ça, pas la face. Il a été exceptionnel, ça a été le meilleur d'entre nous. Vous avez tous été des personnes merveilleuses et j'ai passé beaucoup de grands moments avec vous. Je vous remercie pour toutes ces aventures, mais ma place est ailleurs. Prenez soin de la Terre, prenez soin de ce qu'il reste d'ici, et peut-être qu'un jour, nous nous reverrons. Je l'espère dans un contexte plus favorable que celui-ci. Il bloque son bazooka, que ça fasse un tir d'artifice. S'il te plaît, ouais. Un dernier. Écoute, dernier tir. Je te file le code. Ça va détruire la vie. 4x0. C'est ça. 4x0. Je sors mon lance-carotte et je balance un dernier tir dans le ciel. Et donc la dernière roquette part et donc tu fais dos à tes camarades et tu repars dans ce terrier. Tous les terriers se referment. Le dôme qui était tout autour de vous s'arrête et les différentes personnes qui vous protégeaient à l'extérieur. Vous voyez qu'en fait, à l'extérieur du dôme, en fait, il y avait quelques patapons qui avaient réussi à passer. Les sorcières avaient réussi à les contenir, à les tuer. Et le ciel qui était complètement apocalyptique commence à redevenir presque bleuté. Et depuis un petit moment, vous n'avez pas entendu ce son, le son de la pluie qui s'arrête, les quelques gouttes qui restent au niveau du sol et le silence. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cette saison. Merci à vous toutes et tous. Belle saison 2, bravo à vous. Bravo le chat également. C'était trop bien. J'avais sauvé Paris, GG à vous. Merci le chat, j'ai regardé un peu le chat, les réactions en même temps là. Merci à vous aussi d'avoir été présente et présent. Et merci à vous d'avoir fait toute cette belle saison. Merci Jumpé d'être venu en mode Rambo du ciel. J'ai rien fait, hein, quasiment. Mais ouais. Bah, t'as pris les choix, en vrai, les choix avec les hommes, etc. Donc, qui ont été plus qu'utiles, on dirait pas, mais qui ont quand même protégé pas mal les autres personnes. On a personnes. Perdu 8, quand même. Après, j'en ai encore plein. C'était pas les meilleurs. C'était pas les meilleurs. On va faire un petit tour de table du moment qui vous a plu, donc vous n'êtes pas l'auteur ou l'autrice principale. Et si Adibou, t'es encore là, à la limite, je t'invite à venir si jamais tu veux. Donner ton avis, mon avis, il est en train de boire des bières déjà, un sacré Adibou. Faisons le tour de table, on va commencer par toi, mon cher Jiraya. Tu parles sur les deux épisodes, enfin, on peut faire, alors on peut, sur la totalité. On peut faire saison ou l'épisode, c'est comme vous voulez, là c'est un peu le moment où, L'épisode, bah, je prends l'épisode d'aujourd'hui dans sa globalité. En fait, tout était très bien, enfin je veux dire, j'ai passé un bon moment, j'ai beaucoup rigolé, mais le moment de combat de catch organisé tout à l'heure avec cette envie d'aller récupérer des thunes était très bien. Donc ouais, c'était peut-être le moment que j'ai le plus kiffé. Puis moi, ça m'a permis d'essayer de temporiser pour acheter des objets à 25 000 balles, bien évidemment. Et sinon, le seul truc que je me dis qu'on n'a pas fait, on n'a jamais assemblé ce putain d'item. Mais c'est vrai, on sait pas ce que ça fait. L'item, je vais vous le dire, en gros, ça s'appelle l'Intel Agence, parce qu'en fait, c'est une mini-agence en fait, portative. En gros, ça vous crée une sorte d'énorme robot qui est là juste pour protéger, servir et défendre. Un méga. Donc en gros, lui, il aurait contenu des patapons, il aurait secouru des gens, il vous aurait soigné, vous aurez vraiment... En fait, c'est un peu le boulot des statues, tu vois, qu'il faisait déjà. C'est juste que comme on a joué un peu... Après, vous avez plus joué les items que... En solo, ouais, c'est ça. Bah après, moi, j'étais en super vitesse. Ouais, c'est clair, non, mais... C'est pas mal, moi, j'étais filmé avec le Holy Moly. C'était très, très bien. Et on n'a pas utilisé notre Holy, d'ailleurs. Ouais, mais on était le Holy Moly. Qui était très bien. Donc voilà, et non, en vrai, tous les... Moi, j'ai bien aimé les moments aussi avec le fourgon, qui était un très grand avantage sur cet épisode, on peut le dire, même s'il a très mal fini. donc voilà. Qui n'est pas assuré, d'ailleurs, hein, dommage. Ouais. Pas assuré pour un conducteur, mais... Il n'était pas tout risque. J'ai trouvé qu'on avait pris beaucoup d'expérience hein, depuis la première saison, notamment. Ouais. Et on a pris des décisions qui étaient vachement importantes au bon moment. Mm.
avec des bons lancers de dés au bon moment. Oui. Donc, moi, personnellement, j'ai pas un moment particulier. Si peut-être au moment où t'as carie, toi, t'as carie, t'as buté famine. Ouais, le moment de la corne d'abondance. Ouais, ouais, ouais. La petite mallette, là, avec ton petit machin que t'as. Enfin, tu. Là, c'est. Les patapons, ils ont été tués. Il y a juste un mec qui est en mode j'ai perdu 100 000 balles, mais ok. C'est pas grave, ça, c'est peu cher payé pour ce qu'on a fait aujourd'hui. Non, franchement, je suis super content. De rien, tonton, ça fait plaisir. Ouais, ouais. Très cher Pompon Sunday. Moi, le concept de la vente aux enchères, ça m'a fait délirer de fou. Hein. J'ai trouvé ça trop bien. Moi, j'ai bien aimé le faire. Le mettre en place, c'est cool. Bah, c'était vraiment marrant ce concept-là. Nous avons Adibaou. Ah vas-y, bah mets-toi, mon pire, tu peux mettre avec moi si tu veux. C'est plus simple d'être bien, comme bien, ça. Bah viens, viens, viens. C'est quoi, y a pas de... Voilà. Oh bah oui, après, ça fait quoi, longtemps ça, que tu t'es pas mis dans... Très cher Timothée, effectivement, qui a tué Famine, hein, mine de rien. Ben en fait, tout du long, moi je faisais des théories parce que j'étais persuadée que c'était... Patapon qui était... Je croyais que j'allais trahir. Ouais, hein. Sincèrement, au dernier moment, je me suis dit que t'allais trahir. Non. En plus, en vrai, je me suis dit que vu que t'as proposé 3 choix, le dernier choix, je me suis vraiment posé des questions. Est-ce qu'elle va peut-être pas tout lâcher, dire allez, pourquoi pas. J'ai hésité, mais... J'ai les humains. En vrai, j'y pense, c'est même mieux que tu sois, parce que t'as toujours été sur le... C'est vrai, vu que t'étais le journaliste, t'étais toujours sur l'écran là, donc en vrai c'est presque logique que tu sois là, c'est parfait. Non, la fin est émouvante et du coup on a Patapon qui repart, c'était cool. So long. Cher Ted. Ah, moi c'est clairement la vente aux enchères qui a été mémorable parce que chacun en fait a eu son petit moment, sa petite action et en fait on était dedans et visuellement en fait on peut tout voir, c'est ça. Ouais. Moi j'imagine une bande dessinée, tu vois, depuis le début de l'agence, je dis pas qu'on va le faire mais j'imagine ça et en fait en termes de pagination, de plan, je le vois, tu vois. Je voyais toutes les actions possibles, imaginables, toutes les vannes qu'on faisait avec Timothée qui allait pisser, donc tout le monde se levait, le corgi qui était là à nous casser les couilles. Bref, et c'était... Oh, le corgi, c'est... D'ailleurs, le corgi, c'est... Incroyable, le meilleur moment aussi, le corgi, c'était des vote viewers. Je vais vous dire, les vote viewers, en gros, Philibert, t'avais soit une visite, donc la visite que vous avez eue, le corgi, soit juste un message où il te trollait en mode de, moi, je serais à telle place, machin, t'auras pas les couilles de venir, machin. Okay, okay. Le deuxième vote, c'était le lieu de l'alerte, donc l'endroit où vous avez été, là, la soupe populaire, qui est il y en a une dans le 6e arrondissement, qui était soit presque vide, et c'est le vote qui a été choisi, c'est-à-dire qu'en gros, tout le monde était en train de se bouffer, était dead et il y avait famine. Et l'autre, c'était sous contrôle policier, et donc vous auriez eu la présence de Julie Prata, qui était là à gérer les gens, et famine serait arrivée après pour attaquer. Ouais, en gros, la famine était déjà là. Et le dernier vote, c'est l'homme masqué qui arrive. Ah, est-ce qu'il arrive en grande pompe? Donc c'est ce qu'il a fait. Ou est-ce qu'il arrive depuis le sous-sol? Et en fait, là, ça aurait été une autre part du lore. C'est-à-dire que vous l'auriez vu arriver depuis le plan des patapons, en mode d'avoir à découper des patapons et venir dans notre plan pour en mode un peu Doomslayer. C'est Serge le lapin. C'est Serge. Et moi, j'attendais justement une scène émouvante de Johnny retrouvant son idole. Je me suis dit, on va la vivre et tout. Mais il est avec son moment. Pas le temps, je l'ai jeté, l'autre il s'est fait stun. Je suis en bon, très cher Jumpy, toi, c'est même pour l'épisode globalement, parce que tu es venu aussi pour d'autres épisodes avec nous. Encore merci à vous deux, à nos deux invités de ce soir. C'était vraiment très cool. Très bon RP de Adi, je te coupe avant. Très bon RP de Adi. J'ai vraiment adoré son perso du journaliste, merci. Un peu foireux, un peu flippant, et nous on l'a bien maltraité comme il faut. Donc c'est vrai. Toutes les séances qui pas été magnifique. Mon cher Jumpé. J'ai bien aimé le fait que l'aventure amène au dôme où t'as deux personnes qui sont capturées plus le méchant et que lui il est en full insane mais que ça fait rien, enfin ça fait pas rien, Voilà. Il prend quelques tartes et que après t'as un écran de fumée et qu'on s'en va de, putain il est là ou il est pas là, il est mort ou il est pas mort, donc c'était cool. Et puis après même si évidemment là je reviens en invité sur la deuxième partie, c'était une grande aventure où il y a eu beaucoup de choses et beaucoup d'imagination de la part de tous les joueurs et franchement c'est cool, c'était vraiment bien. Bah refaire, hein, des petits épisodes spéciaux avec grand plaisir. Et notre cher Adibou, alors, on a vu en tant que journaliste qui débarque. Ouais, déjà merci, c'était très chouette. Ah, c'était très cool. Très, hein. très chouette. Par rapport au moment, bah effectivement, genre, je pense à votre aux enchères, c'était l'un des moments les plus stylés, comme je vais pas faire un doublon de ce qu'il a dit, mais il a tout dit. Tu finis commentateur quand même. Non. En plus, on a été ça, c'est un délire. Même le moment peut-être le plus épique, c'est le lancer, la lance de Johnny avec la musique, clair. Le 15, pour son dernier lancer. C'était épique. Finalement, le double 6 qui tombe. Magnifique. Merci à vous surtout d'avoir fait toute cette belle saison en notre compagnie. Merci le chat et merci d'ailleurs, on va faire le petit moment tout de suite.
le petit moment partenaire, parce qu'on a quand même été accompagné par Oli et Elgato, donc merci à eux. N'hésitez pas à les points d'exclamation Elgato et Oli dans le chat. Vous avez des codes de réduction Agence 5 et Agence tout court pour Oli. Elgato, c'est le Black Friday, donc allez-y, régalez-vous. Et surtout, un grand merci à Intel qui nous a sponsorisé cet épisode. Donc voilà, des promotions, c'est les Intel Gamers Day, donc allez-y, point d'exclamation Intel. Allez sur le lien, allez voir tout ce qu'il y a, vraiment, il y a des promotions assez dingues. Et c'est grâce à eux d'ailleurs, oui, qu'il y a cet épisode bonus, parce qu'à la base, on va faire 6 épisodes, et donc on a rajouté un épisode. Et donc, il y a eu ce fameux item, les 3 items qui s'assemblent, etc. Donc ça, c'était pour l'Intel Agence, le fameux item qu'on rajoute à chaque fois. Écoutez, moi, on va se quitter là-dessus, juste vous laisser avec un petit foreshadowing. Mon cher Adi, je suis navré, je vais devoir... Je vais moonwalk. Tu vas moonwalk. Sur les genoux, ça va être très impressionnant. Ouais, non, je vais me cap... On va le voir. Voilà. Petit foreshadowing que je vais faire. Et après, nous allons nous laisser là-dessus. Okay. Qu'est-ce qu'il me dit ? On remercie le studio. Ah, mais on va le faire juste après. Ah. Bah, on peut le faire maintenant, mais... J'en profite de ce petit foreshadowing également pour remercier le studio 17 qui nous a accueillis comme des rois. Le plateau est incroyable, donc un maximum d'emotes dans le chat, s'il vous plaît, parce que le studio 17 nous a vraiment régalé. On est dans des conditions incroyables pour cette saison, donc j'espère qu'il y aura une saison 3. Évidemment, on croise les doigts et on y travaille. Et merci à eux et merci surtout à tous ceux qui ont bossé aussi sur cette saison de l'agence. Petit aussi remerciement, j'en profite qu'ils soient là, mais Adibou et Maxildan qui ont participé à faire des vidéos pour un peu agrémenter le lore, etc. Donc merci énormément aussi à nos deux compères. Et j'espère un jour faire un petit épisode avec le complotiste et tout. Un peu, ça serait très drôle. Passons maintenant à un petit foreshadowing. Petit foreshadowing, vous ne savez pas vraiment où la caméra se place, mais vous semblez être dans un complexe avec des prisonniers. Vous voyez une personne, une silhouette assez lourde, qui marche au milieu de longues galeries avec des prisonniers qui, de temps en temps, essayent de l'attraper à travers les grilles. Et cet homme, cette silhouette, que vous reconnaissez comme étant Yves Ambinina, se dirige vers une des détenues, une vieille femme, un peu bossue. Il la regarde et il lui dit « J'espère que tu vas pourrir ici pendant un petit moment, sale voleuse. » Il part. Le temps semble s'accélérer et une autre personne arrive et commence à ouvrir plusieurs portes. Son visage est assez étrange puisqu'on a l'impression qu'il y a des agrafes sur tout le contour de son visage. Et les portes de la prison s'ouvrent, et cette personne se retourne et disparaît. Je vous laisse là-dessus. Merci à vous de nous avoir accompagnés pendant cette saison 2. Des bisous à tous. N'oubliez pas une chose, c'est de rester pépouze. Et spammez le chat d'emote. Merci à vous. Bonne soirée. Ciao, bye bye. Et restez pépouze. Merci. Merci beaucoup. Bisous. Bravo. GG. Félicitations. Merci.